Salut les gens, bienvenue à tous. Alors dites-moi si le son est bizarre ou pas. J'ai essayé d'activer un truc, j'ai cherché à essayer de corriger mes problèmes de son. Et j'ai trouvé un gars qui disait qu'il fallait taper des commandes un peu random. Et vous savez ce qu'on fait hein, quand on trouve des commandes un peu random sur Internet, on les tape. Et concrètement, apparemment, ça active l'anti-bruit de Linux qui existe. Et donc c'est censé être mieux. Donc là, j'ai plus de filtres sur mon OBS, mais par contre je vois la courbe qui est plus dans le jaune, donc ça devrait être beaucoup mieux sans déformer ma voix. Donc moi j'écouterai le replay, mais voilà, c'est cool. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi cette commande-là, parce que ça peut vous intéresser si vous êtes sur Linux, c'est cette commande-là que je tape. Je sais pas ce qu'elle fait. Je comprends à peu près ce qu'elle fait, mais j'ai du mal à comprendre ce que ça fait en vrai. Mais en tout cas, ça marche. Ça crée une nouvelle source audio. Je sais pas comment il trouve la bonne source. Et basiquement, il applique le noise cancelling dessus. Et ça augmente le son aussi. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais vous voyez, dans les périphériques d'entrée, j'ai ça. Et j'ai ce nouveau périphérique. Et il est mieux. Parce que vous voyez, ça, c'est mon périphérique normal. Et ça, c'est le voilà. Aucun sens, mais c'est comme ça. Alors juste, je vais désactiver pour ce live les points de chaîne, parce que vu que ça va être de la veille, eh bien, on va pas forcément passer en mode power mode ou autre. Faut juste que je trouve comment le faire. C'est l'enfer. Ah mais qu'est-ce que c'est compliqué ce truc-là. Ok, donc l'idée, tant pis, tant pis si, mais ne versez pas des points de chaîne, ça, les options ne seront pas actives ce soir. Voilà, je vous le dis, mais si quelqu'un sait ou trouve le lien, je veux bien, mais... Alors c'est bon, points de chaîne, activez les points de chaîne, les spectateurs peuvent gagner des points de chaîne. Hop. Les spectateurs ne gagneront plus de points de chaîne lorsqu'ils sont actifs sur votre chaîne. Les récompenses seront indisponibles tant que les points de chaîne sont désactivés. Ok. Alors, du coup, ce soir, je voulais faire de la veille techno sur trois technos en particulier dont on parle pas mal. Alors, il y a tuile.io. Alors là, c'est Amilty qui m'en parle tout le temps. Donc, du coup, je me suis dit, on va tester ça. Concrètement, j'ai regardé vite fait de quoi il a en retourné et je me suis dit, tiens, ça ressemble à un CMS. Donc, moi, j'aime bien les CMS. On avait testé pas mal déjà la dernière fois qu'on avait fait de la veille. Et du coup, ben, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le second outil que je veux tester, c'est Astro. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu hypé hier ou avant-hier. Basiquement, c'est un nouveau système qui utiliserait moins de JS, un nouveau outil de build. Je suis très très méfiant sur cette techno-là, surtout que de ce que j'ai cru comprendre, c'est créé par les mecs qui sont derrière Snowpack et Skypack, des outils que je trouve vraiment pas ouf. Et ensuite, le dernier, c'est Sanity, qui est un service qui est payant. Je ne suis pas sponsorisé, mais je sais que beaucoup des podcasts que j'écoute sont sponsorisés par Sanity. Et un pote l'a utilisé et m'a dit, ouais, c'est trop bien et tout, faut tester. Mais je sais même pas si on pourra tester en fait. Oui, on devrait pouvoir tester gratos. Voilà. Donc petite mission du soir. Je sais pas si on aura le temps de faire les trois, mais voilà. Astro, apparemment, de ce que j'ai compris, hein, je l'ai jamais installé le truc. Ça a l'air d'être un NEM site builder, donc NEM générateur de sites statiques, un peu comme Jekyll et compagnie. Donc c'est pour ça que je suis très méfiant à cet égard parce que je me dis que bon, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Ça fait 15 fois qu'on. Ok. Donc pour tuile.io. Pourquoi ça m'a intéressé? Parce que de ce que j'ai compris, c'est fait avec Laravel. Donc la question, c'est est-ce que je pourrais avoir un CMS qui est tout de suite construit et en plus, je vais pouvoir avoir ben, Laravel et je peux faire mon Laravel par-dessus. Et l'interface, ça me fait penser à du WordPress. Donc je me dis que ça peut être cool pour des clients, mais il faut voir si c'est extensible, tout ça, tout ça. Ok, donc on va commencer par la doc. Apparemment, je ne lis pas assez bien les documentations, donc les gens s'énervent. Donc, on va essayer de faire ça bien ce soir. Et je rapatrie le chat. Voilà, comme ça, on vous voit parler. Alors, je vous avouerai que je lis, mais je vais aller un petit peu vite. Est-ce que je lis toutes ces explications-là? Il y a l'air d'avoir beaucoup d'explications. Alors, pour les concepts.
Moi, j'ai envie de voir du code tout de suite. Je me dis, est-ce que je pourrais pas improviser? Le mec, il dit, ouais, je lis la doc, et puis la seconde après, il ne la lit pas. Ok, la licence, ça peut être intéressant. Mais bon, getting started. D'accord. Alors la question c'est du coup, est-ce que tu... Ah, tu dois utiliser un Laravel déjà. Ok. Laravel, getting started. Salut Delcura. Alors je ne sais pas pourquoi, mais Delcura et d'autres personnes, quand vous parlez, il y a marqué première fois sur le chat. Alors bienvenue, je ne sais pas pourquoi je vois ça maintenant et pas avant. Mais bienvenue au nouveau, du coup, en espérant que ça vous plaira. D'habitude, on fait du code, mais là, c'est vrai que ça va être plutôt chill. C'est une nouvelle fonctionnalité de Twitch. Cool. C'est vrai qu'avant, je ne voyais pas qui étaient les nouveaux. Oui, alors moi, je veux installer ça via Composer. C'est possible ou comment ça se passe? Voilà. Attends, je suis sûr. On est dans le passé, là. Non, non, on veut la Laravel 8, nous. On veut la Laravel 8. Et on va l'installer via Composer. Alors d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la mise à jour et qui ont essayé la preview de la nouvelle version de macOS, la Monterey, ou je ne sais plus comment il s'appelle? Parce que s'il y a quelqu'un qui l'a sous la main, je serais très curieux qu'il teste le nouveau Safari et j'aimerais bien savoir comment il résolve le problème si tu as beaucoup d'onglets ouverts. Donc là, on va l'appeler Twill Demo. Ah, t'es pas compatible, ah, pas de chance. Ensuite, on va dans Twill Demo et on va faire un PHP artisan serve. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Voilà. Et ensuite, on va faire un petit localhost de 8000. Alors, concrètement, on nous dit qu'on peut installer ça en tant que dépendance d'un Laravel. Alors, je veux bien, mais par contre, on ne me précise pas quel type de base de données il supporte. Ça veut dire, est-ce qu'il supporterait les bases de données... Alors, il était où notre truc de push là? Hop. Est-ce que par exemple il va supporter notre base de données qui serait une base de données SQLite? Parce qu'en général, ce n'est pas des bases de données pratiques. Donc je vais ouvrir ce projet-là. Donc on est dans le lab. Tuile démo. C'est écrit plus haut dans la doc que tu as zappé. On est d'accord. Donc je suis fidèle à moi-même. Donc plus haut. Ah, ici. En même temps, voilà, c'est pas écrit en rouge, moi que c'est pas écrit en rouge. Alors, il y a les gens ont l'air d'avoir un avis très tranché sur le CMS, donc je me demande si Amity me piège pas là. Bon, concrètement, il nous faut MySQL. Heureusement, j'ai toujours un MySQL sous la main. Hein. Bon, on va créer un MySQL, on va faire MySQL-uroot. Comment on l'appelle cette base de données? Tuile démo. Voilà. Ensuite, ici, dans notre point env, on va dire qu'on utilise MySQL. Le nom de la base, c'est tuile démo. Root et root. Sécurité avant tout. Voilà. Bon, j'imagine qu'il ne faut pas créer le système d'utilisateur, mais si je réactualise la page, ça fonctionne toujours. Je vais programmer mon IDE. Alors, je vais fermer ça, c'était. J'ai essayé de refaire l'exo des impôts là. Et là, on va MySQL. Voilà. Le nom d'autre, root. Root. Tuile démon. Super sécurisé. Bon, à première vue, je lis la documentation en travers. MySQL ou PostgreSQL, donc c'est bon. Composer require. J'y vais en lisant de travers. Donc déjà, il y a pas mal de dépendances. Ouais, ils installent un peu trop de dépendances à mon goût parce que par exemple, ils installent, j'ai vu Azure, Microsoft et tout ça. J'imagine que c'est pour s'adapter à tous les systèmes de dépôt de fichiers, mais je
préférerais un truc qui est en opt-in. Si j'en ai besoin, je l'installe. Si j'en ai pas besoin, je l'installe pas, quoi. Alors, let's create a super admin account. Donc déjà, ça m'aide pas mal. L'email. L'email, c'est, on va mettre admin et c'est pas valide. Je vais vérifier s'il vérifie. Donc on mettra admin@do.fr. Le password. Alors déjà, m'obliger à mettre 6 caractères, ça me gonfle. Si j'ai envie de rentrer un mauvais mot de passe, laissez-moi rentrer un mauvais mot de passe. Surtout que souvent, c'est pour tester un local. OK. Twill install command. Alors, ça crée admin.php roots. In your application roots folder. Donc là, c'est censé avoir créé un admin.php. Effectivement. Register Twill roots here. Donc, ça veut dire qu'il ne les a pas enregistrés. Migrating, OK. Migrating Twill configuration, OK. By default, Twill admin console is available at admin.domain.test. This is assuming that your .env app URL variable is... In development, make sure that the admin subdomain is available. Ouais, mais en vrai, non. As well as the path using admin path path variable. For example, to have the admin console available to subdomain. Ouais, moi, je préfère ça. Never trust user. Bah ouais, mais non, mais quand le user est un dev, tu peux lui faire confiance. App URL. Du coup, il a rajouté ces trucs-là? Non, il les a pas rajoutés. Mais j'ai même pas de app URL, en fait. Ça n'existe pas, ce truc-là. Donc, on va rajouter les variables dont il nous parle, là. Donc, nous, on va l'appeler twill.localhost. C'était juste au-dessus, effectivement. Très, très bon... œil de phénix, enfin œil de d'aigle plutôt. Donc nous on va mettre twill.localhost. Ensuite on, bah le même, enfin, c'est bizarre, c'est, ah oui, ils ont pas mis HTTP là, ils ont juste fait ça. Ça m'étonne quand même ça. Ok, donc si là je fais twill.localhost 2.8000/admin, palam, je tombe sur l'admin. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Ouais, on continue un petit peu. Ou est-ce qu'on on navigue dans l'admin comme un gros bourrin pour tester? Admin@do.fr. Je me connecte à l'admin et je suis connecté. D'accord. Bon, pour l'instant, j'ai rien, mais ça a l'air pas mal. Je peux gérer mes utilisateurs. J'imagine que j'en ai pas parce que je vois pas les autres utilisateurs que moi. Je peux me déconnecter, je peux changer les paramètres. Et je peux chercher n'importe où. Est-ce qu'on trouve des tutos de graphic art? Oh. Bon, on continue. You are not ready to... ouais, donc après tu peux utiliser des third parties, gna gna gna. Twill default configuration allow you to gather... gna 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 gna. Or you can override the Twill config. Alors Twig, ça a l'air Twill, je sais pas comment ça. C'est un CMS, on dirait. Non, mon mot de passe route, c'est 000. Non, ah, c'est trop, les gens ils devinent alors que 00 c'est plus sécurisé. Mais c'est évident. You can opt-in or opt-out certain features. Alors là par contre, ils me disent que ça aurait dû, attends. File that was published in your app when you run Twill install command. Ouais, mais ouais, ok. Bah, j'imagine que tout est actif par défaut, quoi. By default, we use the default namespace. You can provide your own. Ouais, on n'a pas envie de super personnaliser pour l'instant. On aimerait bien juste découvrir un peu le truc, quoi. Tiens, on va regarder les bases de données qu'il a créées. Enfin, les tables qu'il a créées. On réactualise. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous a créé comme table? Il nous a créé... Ok, donc il a des Twill users qui contient mon utilisateur. Donc, ok, les utilisateurs de Twill, c'est pas les mêmes utilisateurs que le Laravel. Ok. Ça va.
Tweet.io, le service que YouTube me spamme. Genre, t'as des pubs pour ce truc-là? Parce que quelqu'un confondait avec un service d'envoi d'SMS apparemment, mais. Et ben, on découvre ensemble ce que c'est. Les gens, ils veulent être spoilés, quoi. C'est inferno, quoi. Non, mais c'est moi où la page, en fait, a fait des kilomètres. On va jamais y arriver, quoi. Non, parce qu'en fait, j'ai du mal à imaginer un service open source qui s'amuse à faire de la pub sur YouTube pour un produit qui est gratuit. Ça serait vraiment le pire plan, quoi. Ouais, on est d'accord, on passe au suivant, hein. Navigation. Tu fais the navigation of your custom admin console. CRUD module. Alors, to set up, we call module. A module is a set of files that define a content model and its associated business logic in your application. Ok, donc on veut créer des modules. Les modules, ça a l'air d'être le truc de base, en fait. You can generate all the files needed in your application to create a new CRUD module using ça. D'accord. La question, c'est est-ce que ça s'active par défaut, en fait? C'est quoi un module? With that in place after migrating the domain, you should be able to start creating content. Mais genre un module, c'est un type de données? Ouais, on va l'appeler blog. Moi, je sais pas vraiment ce que c'est un module. Tu vois, je sais pas si c'est dans le sens domaine ou si c'est sens entité. As position. Là, je dirais que c'est juste. Alors, on va créer un module, on va l'appeler post. Et on va juste le taper comme ça. Ouais, je pense que c'est sens entité. Post. Module name, et on va le mettre en minuscule. Do you need to use block editor? Bah ouais, moi j'ai envie de faire un truc à la WordPress. Do you need to translate the content? Allez, juste. En vrai, non, mais c'est juste par curiosité. Est-ce que j'ai besoin de générer des slugs? Yes. Est-ce que j'ai besoin d'attacher des images? Yes. Do you need to attach file? Ouais, allez, YOLO, hein. Do you need to manage the position of record on this module? Yes. Do you need to enable revision? Yes. Ok, donc là après, on me dit PHP Artisan migrate direct. Donc dans notre admin.php, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Alors, migration created successfully. Add some fields. Model created successfully. Fill your fillable. Repository created, control all the things. OK, control creating, define your index browser from, form request. OK, je comprends rien. Add. Ah, ça, on me dit de rajouter ça. Ah, tu aurais pu le faire toi-même, quoi. On me dit de rajouter ça. Ouais, en même temps, c'est ce qu'on me dit là. OK, donc je réactualise l'admin. Rien de nouveau. Je fais mon route module post, je réactualise. Rien de nouveau non plus. Setup a new CMS menu in Twill Navigation. D'accord, il suffit de lire aussi en vrai. Donc j'ouvre Twill Navigation, qui est donc le menu apparemment qui sert dans l'admin. Et là j'enregistre, je lui dis, je veux un nouveau menu pour mon module post, et voilà. Je réactualise. Ok, là ça plante. Parce que j'ai pas déclaré la route, du coup les routes n'existent pas et ça plante. Je réactualise et là ça marche. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ensemble un PHP artisan route de point list et on va lister les routes. Alors ouais, désolé, vous ne verrez pas grand-chose, je pense, mais c'est pour voir un peu à quoi ressemblent les routes. Ouais, bah en fait il y a plein plein de routes quoi. Mais là on voit que ça crée des routes pour notre partie article ici. Bon, on va pas trop y toucher. Ils ont créé une méthode module sur la façade. Il semblerait. Il semblerait. Et vu que c'est du. Je sais pas du tout comment tu vois ça là. Non, je pense qu'en fait, ils ont dû changer. Pas vraiment la façade. Ils ont dû changer le service qui est câblé sur routeur. À mon avis.
Je ne sais pas si on peut faire un DD de APP de routeur. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ouais, non, non, c'est vraiment le routing. Donc, il y a vraiment un module qui existe sur routeur. Bon, on va pas trop plonger dans le corps, mais c'est vrai que je ne sais pas s'il y a une méthode module qui existe. Je t'avouerai que j'ai pas trop touché à la Laravel depuis un petit moment. Ok, donc là, with that in place, after migrating the DNA, you should be able to start creating content. But default module only have a title et description. Ok, donc là, on a maintenant post. Je peux créer de nouveaux articles. Alors, comment on l'appelle cet article? Premier article. Le permalien, il est généré automatiquement. On peut dire que c'est un draft ou que c'est en live. On le crée et je peux mettre une description. Ceci est le premier article de mon futur blog à succès. Voilà. Et je sauvegarde. C'est un peu violent pour les yeux. Bon, en tout cas, visuellement, c'est pas dégueulasse. L'admin, c'est pas ouf, mais c'est pas dégueulasse. Alors. Maintenant, comment je rajoute des champs? Tweet generated migration are standard Laravel migration and hence with helper to create default fields any CRUD module will use. Ouais, si tu veux quoi. Model, set your fillable to prevent mass assignment if this is there. C'est pas fou, ça faut pas. Ok. Ok, donc tu veux dire qu'en fait il m'a créé un modèle post. Alors ce qui peut être intéressant, c'est que du coup, si je veux créer le front de ce site-là, j'ai pas besoin d'avoir une API. Je peux directement m'y imaginer aller dans la vallée. Non, aller dans mon web.php. Et là, me dire, tiens, je vais créer un home contrôleur. Donc je vais d'abord créer le contrôleur. PHP artisan make de point contrôleur home contrôleur. Après, je sais pas il a vraiment créé des repositories au sens où on l'imagine. On va voir ça. Donc, on va appeler index. Voilà, je vais aller créer ce contrôleur. Ouais, hop. Ok, non, même on va l'appeler home. Voilà. Alors, oui, et on nous parlait de repository. Un repository, post-repository. C'est quoi un module repository? Est-ce que je vais pas peut-être trop vite en besogne? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'en même temps, c'est pas ça qui est fun, c'est d'explorer directement. Donc là, je dépends du post repository qui est dans repository. On va l'appeler post repository et je vais lui dire, tiens, j'aimerais bien récupérer les articles en faisant un post repository. Et là, on a un get by ID et un get. J'imagine que get, ça en récupère plusieurs. Voilà. Le mec en aime pro total. Et dans home.truc là, du coup, dans la partie view. Donc ça serait intéressant parce que ça voudrait dire que tu ne fais pas appel à tes modèles, tu as un repository qui, par rapport à la structure du CMS, ferait qu'il va récupérer les trucs comme il a besoin de les récupérer, quoi. Ce qui serait en soi pas une mauvaise chose. Alors là, on va créer un layout aussi et on va utiliser le meilleur framework CSS du monde, hein. Voilà. Hop. Hop, hashtag premier degré. Voilà, et dedans on crée une div qui a la classe container et on yield le body. Pourquoi pas Tailwind? Bah, j'ai dit le meilleur CMS, le meilleur framework CSS du monde, du coup ça peut pas être Tailwind. Et là on extends layout. Petite question sur Symfony, pour faire des validations entre champs, il n'y a pas de classe callback. J'ai pas compris. Et là, pour la section body, on mettra notre titre. H1, mon titre.
Alors là, j'ai mon admin. Hop. On va regarder à quoi ça ressemble. Donc j'ai bien mon titre et je m'imagine faire un UL, ali et afficher du coup le dollar post. Et ce qui m'intéresse, c'est le title. J'imagine qu'ils ont appelé ça comme ça. Hein. Et on va faire une petite boucle ici. Arrobase for each post as post. Donc là, ce qui est déjà intéressant, c'est que, bon, je suis pas sûr que ça soit que comme ça qu'on puisse faire les choses. J'ai mon premier article. Le truc, c'est que cet article, il est techniquement pas en ligne. Donc si je regarde la méthode get, on nous parle de scopes, on nous parle de per page, on nous parle de pagination, mais on n'a pas vraiment de conditions et tout, donc on verra ça un petit peu plus tard. Ok. Alors la question, c'est par où tu le prends le truc quand même. Techniquement, moi, ce qui m'intéresse, c'est les repositories, quoi. Depending on the model, features include one and gna. For filtering, repository allow you to modify the default behavior of your model by providing some entry point in the form of method that you might implement. Add where clause. Moi, je crois que j'ai pas compris vraiment à quoi ça sert. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? À la base, les méthodes du repo, c'est pour l'admin. C'est ce que je suis en train de comprendre. C'est ce que je suis en train de comprendre. En fait, je réfléchis par où tu le prends le truc. Parce que là, si jamais je voulais que les trucs online, du coup, tu es en train de me dire qu'il faut que j'aille taper moi-même les articles dans la base de données. C'est ça? Et dans le modèle, je me dis, tiens, je veux seulement ceux qui sont published. Donc, je ne m'emmerde pas avec un post repository. Je récupère juste post de mon modèle et je fais un post repository where. Je lui dis que je veux que published soit égal à 1 ou à true. Et je fais mon get. C'est ce que tu es en train de me dire. Ça va marcher. Là, ça ne va m'en donner aucun du coup. Et si je publie, hop. Là, maintenant, il apparaît. Alors, oui, j'injecte. Alors, ça, c'est très chelou, Lior. En fait, c'est pour éviter de faire ça. Dans Laravel, le modèle contient toutes les méthodes qui permettent de faire des requêtes à la base de données. Donc techniquement, c'est comme si tu avais les repositories et les modèles dans une seule classe. Et donc moi, ce que je fais en général, c'est que j'injecte le modèle, qui est du coup un modèle vide, qui est donc un modèle qui ne peut pas être initialisé, parce que ça ne peut pas être initialisé, et après j'utilise les méthodes. Comme ça, je peux moquer. Mais en vrai, en général, moi, je me fais quand même une classe repository pour éviter ce genre de truc. Tu peux aussi faire un published. Je veux dire qu'ils ont... as revision. C'est où que tu vois qu'ils ont une méthode published? Ça, c'est un modèle de tuile. OK, où là, il y a published. OK. Ouais, en fait, tu peux faire ça. Tu peux lui dire, tiens, j'aimerais bien tous les articles qui sont visibles dans le listing, et j'aimerais bien tous les récupérer, ce qui m'en donnerait un, et si le truc repasse en draft, hop, il serait plus visible. Ok, impeccable. Ah oui, désolé. Ouais, non, du coup, c'est vrai que j'ai tendance à faire ça parce que j'aime pas trop les façades. En soi, les façades, c'est pas gênant parce qu'on peut les moquer et tout, mais ça veut dire que ma classe, elle est moins... Oui. J'aime pas en fait les façades. C'est tout simplement ça. Je peux chercher les excuses que je veux, c'est que j'aime pas les façades. Et que là, c'est plus facile de faire un contrôle truc pour qu'il trouve automatiquement la méthode. Mais encore là, il la trouve pas parce que c'est un scope et du coup, c'est le bordel. Ok. Bon, nous concrètement, ce qu'on aimerait bien faire, c'est utiliser des blocs, quoi. Créer peut-être un.
Donc ça, description, ce serait un truc qui serait utile pour la métadescription, mais j'aimerais bien avoir le corps de mon article. J'aimerais bien aussi avoir la date de publication. J'aimerais bien avoir plus de choses, quoi. Le truc, c'est qu'il y a plein de docs, mais je ne sais pas du tout dans quel ordre prendre les choses, quoi. Donc déjà, peut-être rajouter des champs. S'il ne peut pas deviner tout seul les champs qu'on souhaite modifier. Alors, your model form view should look something like ressources view admin. Ressources view admin post form.blade. Ah. Donc là, je peux rajouter autant de champs que je le veux. Par exemple, si j'ai un champ. Par exemple, on va mettre meta title. Là, on mettrait meta title. Hop, lui, pouf, il nous sortirait ce champ directement là. Est-ce que je peux agrandir la taille de la typo dans mon éditeur? Évidemment. Évidemment. D'habitude, je mets du 18. C'est vrai que j'ai oublié de le faire là. Je vais pas aller jusqu'à 20 parce qu'après c'est trop difficile pour moi, mais là ça te va mieux? Après ce champ-là, bah, il ne va pas être tout seul dans la base de données, on est d'accord. Donc là, il faut aller dans les migrations. Ouais, donc c'est pas un truc qui est full automatisé quand même. D'accord. Du coup, il faut faire un PHP artisan. Ouais, bah, j'ai pas envie de rollback en fait maintenant, c'est foutu. Donc, on va faire un PHP artisan make de point migration. On va l'appeler add fields to post. Et on va dire que c'est la table post. Voilà, poum poum. Donc, dans cette table, on va créer ces deux champs supplémentaires. On va pas prévoir de rollback. Ouais, quoique. Table drop colonne, ça serait tellement bien qu'il me fasse la migration sans inverse tout seul. Ça c'était bien sur Ruby on Rails, il migrait tout seul en inversé quoi. Donc là on va créer un champ qu'on va appeler c'est une chaîne de caractères meta title, hop. Et ensuite on drop la colonne meta title. Tu peux grandir, ouais, ok. Bon, ça déjà c'est un peu chiant en fait parce que du coup tu dois migrer tout. Alors comment il traduit les choses aussi? Ça, je suis très curieux. Donc dans post, comment j'ai mon champ? J'ai post translation ici, où là c'est une version de mon article où j'ai toutes les informations. D'accord. Ça, c'est les révisions, ça doit être les versions que j'ai créées. Donc, c'est comme dans WordPress, c'est un enfer ce truc-là. Et OK. Ouais, il faut faire bien gaffe quand même à comment tu migres au début, quoi, pour éviter de faire le bordel. Alors, le champ média, comment ça marche du coup? Toi de média form field. On m'explique à quoi ça doit ressembler dans la base de données? Non. Browser, c'est quoi browser? Block Editor. Si, Block Editor. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Moi, de manière générale, quand on travaille avec WordPress, on a un système de blocs. Normalement, ils le montrent dans leur petite démonstration ici. Ouais, je suis d'accord. Aussi, petite question, est-ce que vous m'entendez en stéréo ou pas du tout? Le pire. Dans l'art des mots, en fait, quand on édite un article, on a des blocs ici qu'on peut agencer un peu comme on veut. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Aucune idée, vous n'avez pas de... Alors concrètement, la question c'est que
Ouais, là, il me parle de champ, mais je ne sais pas à quoi ça doit ressembler dans la base de données, quoi. Ok, super, le stéréo est présent. 1-2, 1-2, 1-2. By default, all these form field block editor enable all available block. Pas besoin de la migration pour les blocs. D'accord. Mais par exemple, quand j'ai regardé d'autres champs, là, comment je sais lesquels de quoi j'ai besoin, quoi? Donc on ferme tout. On revient dans notre. Donc ça c'est intéressant quand même le fait qu'ils aient donc un form. C'est un peu chelou que ce soit dans Blade, mais c'est là que je peux créer mes champs et rajouter en fait les nouvelles informations que je veux dans l'administration. C'est un concept que je trouve intéressant quand même. Block à repeater are built on the same block model. View admin for block and view admin repeater for repeater. Prior to tool version 2. Block needed to be in the configuration file. Block and repeater are in a regular form without any blade layout or section. The template take a special annotation. D'accord. Donc, basiquement, ce qu'on me dit, c'est que là, je vais dans admin, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler blocks, et après, je donne le nom que je veux à mon bloc. hero.blade.php. Et là, YOLO, je crée autant de trucs que je le veux, c'est ça? Donc on s'imagine que là c'est pour gérer le héros. Héros. Ouais, ça les icônes, je ne les connais pas. Donc on a un champ qui permettra de rentrer. Alors, on va s'inspirer ben, imaginons un template de Bootstrap là. Le meilleur framework du monde, j'insiste sur ce point. Example. Voilà. On veut une image, le titre. Ah, celui-là il est pas mal aussi. Ouais, celui-là, on va prendre celui-là. C'est quoi ton document de tuile dans la première page? Ça a l'air trop bien. Bon, alors on a un titre, une description, des actions et une image. Donc on va commencer par le titre. Donc on va mettre title. Ça va être de type texte. On mettra. Ah putain, mais. Ah, c'est. Ouais, t'as raison, hein, on est d'accord, la coloration syntaxique sur Blade, ça marche du feu de Dieu, c'est génial. Mais pourquoi par contre ça il fait vraiment ça là? En fait il fait ça parce qu'il comprend pas que ça c'est du Blade en fait, il comprend pas ça. Est-ce qu'on n'a pas un plugin qui gère probabilité que ça arrive 0 un plugin, non un plugin on veut de tuile? On sait jamais, peut-être quelqu'un s'est donné le. Non, tant pis. Donc là on va mettre que c'est File Association. Ouais, mais c'est un point blade, point PHP, il devrait comprendre. Mais je pense que c'est qu'il ne comprend pas ça, là, les arrobas form field. Titre. À quoi ça va ressembler? D'accord, donc si on précise rien, c'est un champ texte. Max length, on s'en fout, on s'en fout. Ensuite. Ensuite, on veut un text area pour ça. Dans les options, il y a de quoi pour Blade. Cherche Blade dans Options. Tellement de choses ouvertes. Non, c'est Blade que je cherche. Le chasseur de vampires. Directives. Arrobase form field. Ajouter. Arrobase twill block title. Rajouter. Arrobase twill block icon. Apply. Oui. As parameters. Comment ça marche ce truc-là? Provide préfixe and suffixe. Comment te dire? Je comprends rien. Je comprends. Attendez, j'essaie de trouver le bloc if. Voilà, il est là. Ah, ok. Waouh.
Je pense qu'on peut on peut l'avoir en faisant ça. On va lui faire croire que c'est un vardump, comme ça il va comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. La pire idée, mais je pense que ça marche en vrai. Faut juste mettre un PHP comme ça. Comme ça. Voilà. Vous allez voir. Je pense que moi, là, il m'aura pas. Ça, cette idée, elle est tellement géniale qu'elle va forcément marcher. Apply. Voilà. Comme ça, au moins, on peut faire fonctionner le truc. Du coup, ici, ça va être de type textArea. Et après, on aura une image. Mais c'est dégueu. Ouais. Un peu de respect, hein. Les gens. Point faible, trop fort. 2. C'est pas un point faible si c'est trop fort, c'est un point fort. Peut-être le son, c'est ça. Sinon, on a le compresseur qui peut arriver. Donc là, techniquement, j'aimerais bien avoir une image, quoi, un média. Cover image. Image. Je comprends pas les blagues. Je suis trop con. Bon. Là. Non, c'est moi qui stresse. C'est pas lui qui stresse, c'est moi qui stresse. On est où? Je suis perdu. Voilà. Donc là, je suis censé avoir mon super bloc éditeur. Je rajoute un contenu. J'ai le choix entre ça. D'accord. Je choisis de mettre mon héros. On va mettre le titre qu'on avait dans Bootstrap. Tiens, on va être super inspiré. J'en ai fait des screenshots. Hein. J'attache une image, je déplace mon image ici. Upload erreur. Et c'est la déception, mais j'imagine que j'ai pas bien lu. Ok. C'est quoi Editor? Ah, c'est pas mal ça, ça te montre une prévue. Oh putain, quel enfer. Comment on sort de ça? Faut configurer Glide. Non, mais je suis d'accord, c'est moi, j'ai peut-être pas fini. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. On va voir la partie upload de médias. Ok. Donc ça, c'était la partie bloc, c'est ça? Rendering bloc. J'ai envie de partir dans tous les sens, c'est l'enfer quoi. Pour rendre un bloc, il faut faire ça. If you want to render child block when using repeater inside the parent block, you can do the following. T'as mis deux blocs titres. Bien vu, description. Ok, et qu'est-ce que je disais là? Oui, c'est ça qu'on veut faire. Donc, si on s'imagine qu'on va créer la page qui nous permet de voir un article, bon, en tout cas, à première vue, ça a l'air cool, parce que ça s'est quand même vachement séparé de notre Laravel. C'est vraiment une partie admin, et on peut avoir une admin qui est posée assez rapidement. Alors, faudra voir comment on fait si on veut créer des pages custom, parce que j'imagine que ça peut être vite chiant. Mais en vrai, pour l'instant, c'est séduisant. Alors comme d'habitude, c'est au premier abord tout paraît génial et après quand tu creuses un petit peu plus en profondeur, c'est là que les problèmes commencent. Mais pour l'instant, en tout cas, si tu veux poser un CMS, on va dire rapidement, ça peut être intéressant. Mais il y a déjà pas mal de configurations à faire. C'est vrai que c'est moins
Bon, ben, tu arrives et tu poses tes affaires que en WordPress, par exemple. Mais au moins, là, tu as la main sur le code et c'est du Laravel, ce qui n'est pas dégueulasse. Et je trouve que la séparation du code, pour l'instant, est plutôt intéressante. Mais on va voir ce que ça va donner par la suite. Concrètement, je pense que c'est tout ce qu'on a à faire. On va juste aller créer un post contrôleur. Donc, on va faire un PHP artisan make 2.contrôleur. On va l'appeler. Oh, ben, je l'ai perdu. Post contrôleur. Et dans ce post contrôleur, on va aller ici et on va créer une fonction publique qu'on appelle show. Elle prendra en paramètre l'article. Ensuite, on ira là et on fera un return view. On rendra post avec un S. Allez, post.show, une chance sur deux. Et on lui passera l'article. Yes, j'ai mis un S. Ok. Maintenant, il faut un lien pour ça. Donc, on va aller dans notre web.php. Ici, on va créer post contrôleur. Et c'est l'action show. Et on lui dira que ça sera blog slash l'article. Et c'est le chancelog que tu dois utiliser. On va lui donner un petit nom à cette route. On va l'appeler post.show. Je ne sais jamais si c'est post.view.store.show. Et ensuite, bah, du coup, dans notre home, on a juste à lui dire ici, ça, j'aimerais que tu l'entoures d'un lien. Et là, on mettrait la route. Ça serait post.show. Voilà. Ah non, on n'est pas sur Twig. Voilà le slug, enfin le blog, le post, et ce serait post slug. Voilà. Donc je reviens sur ma page d'accueil que j'ai mis là. Je n'ai pas mon article qui s'affiche parce qu'il est en draft. Je le publie, je clique sur publier, je réactualise la page, il apparaît là, je clique dessus, l'URL est correcte, il me dit je ne peux pas trouver parce que slug. Is non in a slug là. Alors, c'est parce que j'ai pas dû écouter la doc. Donc, si je regarde en post, as a slug, on doit avoir du coup un, j'imagine, un scope find by slug quoi. For slug. Scope, ouais, je dirais for slug, mais par contre, je comprends pas à quoi sert le second paramètre. Query, c'est quoi? Ah oui, non, je suis con, c'est ça. Bah oui, mais laisse-moi découvrir, Amity, il me spoile pas. Mais ce qui veut dire que tu peux pas utiliser, en fait, t'es emmerdé un peu, non? Tu peux pas utiliser l'injection de dépendance, enfin le ça là. Pour l'instant, on va partir du principe que non, hein, on verra plus tard. Et là, on fera un. Alors, on va utiliser les façades. First or fail. L'autocomplétion est bien présente. Site.blocks.io. Donc là, je suis censé créer un nouveau fichier site.blocks.io. Putain, c'est le camion de pompier le plus lent du monde. Ah bah là, t'es coincé là. Forcing, forcing. C'est bon, il est passé. La personne qui était dedans est sauvée. Alors, regarde la doc. Oui, mais. Oh, oh. Donc, si je veux rendering block,
Je fais item render block. You can also specify alternate plate view for your block. Ok, gna. D'accord, donc si je veux des informations, je dois faire un bloc input title. Si je veux créer mon bloc héros, là, comme ça, là, comment je fais? Je vais prendre ce truc-là, hop. Edit as HTML. Poum. Et là, j'imagine que je peux lui dire, tiens, j'aimerais bien avoir mon title. Est-ce que ça marche? T'es aussi long que ça, mon chantier? Ah oui, c'est parce que j'ai merdé tout à l'heure. J'ai merdé parce que j'ai mis... Ouais, le texte et le champ de description s'étaient mélangés parce que j'ai pas fait attention et j'ai mis les mêmes informations. Alors, je suis très curieux. Bon, on va publier ça. C'est quand même un peu laborieux. Première découverte, on va dire. Là, ça va être description. Ok, je réactualise. Pouf, et je devrais avoir le champ de description. Ok, impeccable. Après, je veux l'image. Alors, pour les images, on a... Alors, déjà, le preview aussi. Comment ça marche? Est-ce que si je fais ça... Layout slash block.blade.php. Layout slash block.blade.php. Site. Layouts. Pire mémoire. Layouts slash block. Oups. .block.blade.php. En fait, je me demande, est-ce que c'est pas plus... Ouais, non. C'est pas plus intéressant de peut-être créer tes trucs en dehors de... Bon courage, c'est relou la preview. D'accord. Est-ce que c'est pas plus intéressant de créer tes modèles en amont et après te dire, tiens, je pose l'admin avec ce truc-là? Et là, il n'est pas censé détecter que j'ai déjà mis un truc. On va lire la doc. Previewing block. At the top right of the form where you enable block editor, you will find a blue button labeled editor. Ouais, je l'ai trouvé, ça, tout seul. So I did to provide a better user experience. You can enable content editor. D'accord. Donc ça, c'est dans mon domaine. Donc là, je vais lui dire... que dans ma section, comment je l'appelais moi? Ah ouais, je l'appelais body, pas de chance. Dans ma section body, je yield le content. Ok, if you would like to specify a custom layout view, button, you can do it here. D'accord. Donc là, c'est censé marcher, quoi. Je fais editor, boum, et je le vois. D'accord, et si je veux l'éditer? Attends, c'est génial. Cancel. Si je veux créer un autre bloc en dessous. D'accord. Et si je veux le déplacer, je fais ça. Ça, c'est pour changer la position. D'accord. Bah, ça, c'est pas mal, ça, en vrai. Delete. Update. Enfin, je sais pas comment, pourquoi ces deux blocs-là sont là, mais... Ah, tu m'étonnes. Alors, Twill, c'est un CMS. En fait, c'est un truc qui se construit, c'est une dépendance de Laravel qui te permet d'avoir une sorte de CMS tout gratuit, rapidement, facilement. Bon, mais Media Library, parce que là, ça marche pas, mon Media Library. Alors, avant d'avoir le image rendering, j'aimerais bien choisir le storage provider. The media and file library, head over to the Twill configuration file. Et non, ça n'existe pas sur... Enfin, ça existe sur Symfony. Je crois que c'était Zulu qu'on avait vu la dernière fois, mais je crois que Zulu, c'est pour l'e-commerce, c'est ça?
Dans Sulu, on avait vu, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est la même idée, mais pour Symfony. Je crois qu'on l'avait testé dans un autre live. Vous pouvez chercher Veil Graphic Cart Live. Ah, j'accepte les conditions et je veux vraiment tous les cookies de YouTube. Et tu as cette vidéo-là où je me souviens plus quelle était la conclusion. Mais dans cette vidéo-là, je testais Sulu. Mais à mon avis, ça devait être compliqué. Oui, donc on était dans config slash tuile. Config slash tuile, ok. Et là, on ne reparle pas du storage. J'ai fermé en relou, mais tu n'as pas lu le getting started en entier. Non, mais si vous êtes là pour me voir lire la doc, vous n'êtes pas habitué. If you are not ready to up third party, you can't use them or have very limited range. It will also provide local storage driver. Local driver powered by Glide. The following point and the variable. Ok, donc il faut que j'installe Glide. Install League Glide. Alors, dans le point env, on rajoute les deux variables. Ok. Ah, alors maintenant, est-ce qu'on peut uploader des images dans notre superbe admin là? Si j'ai envie d'éditer ça, j'attache une image. Hop. Ça marche pas. Est-ce qu'il faut redémarrer le serveur? Où est-ce que je l'ai démarré? Ici. Ok, dans tous les cas, je vais peut-être faire ça là. Ce serait peut-être bien de mettre la config à jour pour que ça fonctionne. Alors, Media Library, ok. Voilà. Oui, c'était au-dessus de ce que j'étais en train de lire. Je ferme, done, close. Pas besoin de config par défaut. Ouais, ben non, mais là je l'ai fait. Voilà, m'en fous. Donc je réactualise la page une fois, juste pour être sûr. Je vais dans l'éditeur. Je vais éditer ce truc-là. Je veux attacher ma jolie image. Je déplace. Ça marche. Je fais ça. Done. Update. À quoi ressemble ce champ-là du coup? Si je vais dans le hero.blade.php, comment j'ai appelé ce champ? À tous les coups, je l'ai appelé comme un con. Hero.blade. Non, je l'ai appelé image. Ok, je l'ai déjà bien nommé. C'est un truc qui est bien fait pour une fois. Alors, je suis très curieux de voir à quoi ressemble mon image. Est-ce que c'est un objet? Qu'est-ce que c'est? C'est nul. C'est nul. Merde, je sais pas si ça marche. C'est nul! Alors, il est tout à fait possible que je n'ai pas lu la documentation. Alors, imaginons, je vais sur le champ image. Là, on m'explique comment ça marche. Right after declaring the media. Okay, donc là, on nous précise qu'il n'y a pas de migration nécessaire, donc ça, c'est un bon truc. Alors, quelqu'un dit tu devrais taper média au lieu de ok. Nope. Par contre, c'est intéressant, ça nous donne modèle slash bloc. On peut peut-être regarder si on a un truc pour les médias ici.
On a image. On a image. Et c'est là qu'on a input du coup. Ah non, ça c'est sur le behavior. Et le input, il est où du coup? Input name. Donc là, genre, je tape image de machin et ça nous fait quoi ça? Ah, ça nous donne un base 64 en code. Comment dire? C'est pas vraiment ce que j'attends. Est-ce qu'on lirait pas la documentation correctement? This package conditions imgix, glide and local minimalist. D'accord. Image run. Tu as pas fait un link storage. Tu penses que c'est juste parce que j'ai pas fait PHP artisan link de point storage? Alors no command in a link namespace. Il connaît pas les bases de Laravel. C'est vous me dites link storage alors que c'est storage point de point link aussi. Ça veut faire les malins, mais que ça sait pas plus que moi, quoi, quand même. Mais ça n'empêche que c'est pas ça le problème. C'est pas le fait d'avoir un lien. Là, le problème, c'est de générer l'URL. Donc, ce que je cherche dans la documentation, à juste titre, c'est comment générer l'URL. Et je pense qu'il y a quelque chose, quelque part. Est-ce qu'on va tester la recherche de la doc, URL? Là, on me parle de file URL. Il doit y avoir un truc qu'on peut... Je suis à moitié sur RG. Sur RG. C'est dans les renseignements généraux, ils sont en train de te questionner. Crache pas le morceau. Image rendering. Ouais, c'est ça. Là, il y a image rendering service. Le problème, c'est que ce service-là, il attend un ID, et moi, j'ai pas vraiment d'ID. Attends, on va retourner sur les blocs. Rendering block. Est-ce qu'à un moment donné, on ne nous parlerait pas des images? If the block has a media field, you can refer to the media library documentation below. Below, c'est en dessous. To learn about as media trait helper. Here, is an example of how a media field could be rendered. Voilà, aussi vous me faites dire des trucs, mais en fait, voilà, je suis pas... D'accord, ok. Donc, below. Below, on nous dit d'aller voir quoi? On nous demande d'aller voir... The media library. Ok. Each module in your application can be predefined image crop and roll. A roll is a way to define different contexts in which the image might be placed. Par exemple, roll for a people model could be profile et cover. D'accord. Crops are most... Ok. Using the person, the only thing you have to do is to make it work is to compose your model or repository with an appropriate tree. D'accord. The file. Ouais, mais je suis. Ok. Alors, je suis complètement d'accord. Là, il n'y a aucun souci avec ça. Le truc, c'est que. Comment te dire? Moi, c'est des images qui sont dans les blocs. Ça me dérange du coup un petit peu parce que comment tu me... Attends, qu'est-ce qu'il m'explique là? Il m'explique comment créer... Alors comment on crée des dimensions particulières? C'est ça que j'essaie de comprendre. Là, on est déjà beaucoup trop loin là. Media library.
va revenir sur ça là. If the block has a media field, you can refer to the media library documentation below to learn about AsMedia. Here is an example of how media field could be rendered. Crop name from block config. D'accord. Donc c'est là où on peut définir des informations. Donc ça, c'est dans la config du bloc. Putain, mais cette config, elle va où? Comment? C'est quoi cette config? Est-ce qu'on a un tuile de bloc? Elle va dans le tuile directement? There is no way to get image URI instead of. Sérieux? Non. Ça me semble un peu gros quand même. Donc les gens disent tu fais ça, YOLO. Image. Non, ça me semblerait un peu violent en vrai. Ratio 16/9e, min value. Bah là, en vrai, j'aimerais bien respecter un ratio qui est celui de Bootstrap. Hein. Du coup, ça serait ici 588 par 420. 588 par 420. D'accord. Et là, je lui dis maintenant, j'aimerais bien le format desktop. Ok. Là, on est sur quelque chose qui a beaucoup plus de sens, à mon sens. Donc là, ça utilise Glide, je reconnais ça. Donc, ça me renvoie une URL que j'ai juste à greffer ici. Et là, miracle de la vie, on a notre image. Ouais, après, c'est de la config de Glide. Là, il faut revenir à Glide, il n'y a pas de souci. Alors, j'aimerais bien pouvoir créer des boutons à la volée de manière infinie. Où on peut choisir le texte et le lien vers lequel ça mène. Et peut-être aussi le target. Ça, c'est typiquement un truc que j'ai besoin de faire. Donc, dans ce héros-là, il faut créer un répéteur bouton. Donc, les répéteurs. Repeater. Un repeater field can be used to save as many relationships of morph too many checkout gaps until we update this section to get more info on setting things up. D'accord ? Share the same model as block in the block editor. By reading the section on the block editor, you will get a good picture of creating truc. D'accord. Ok, on va y aller à la bourrée. Donc moi, j'aimerais bien avoir dans mon block hero ici un champ qui serait un répéteur de type button. Donc avoir plusieurs boutons. Et en plus, j'aimerais bien lui donner un nom, en fait. Name, on va appeler ça action. Alors, normalement, il va péter un câble, là, si je ne me trompe pas. Il va me dire, nope, tu fais n'importe quoi. Non. Mon champ n'apparaît pas. Alors, dans la partie bloc, est-ce que nous, repeater fields to a block? Inside a block, repeater can be used to create a container block file using a repeater form field. You can add other field before and after the repeater or even multiple. Ok. Create an item block. Ok, jusque-là, rien d'étonnant. En fait, ce qu'il me dit, c'est qu'il faut que je crée dans l'admin un nouveau fichier qu'on va appeler... il faut l'appeler d'une certaine manière. Repeaters, donc ça, c'est le format des répéteurs. Ça, c'est pas mal comme idée. Repeaters, si ça marche. Et on va faire un button.blade.php. Et là, on va définir à quoi ressemble un bouton de type... Donc, on a un input qui sera le texte. Texte.
non, qui sera le label. Donc là, on va mettre texte du bouton. Ensuite, on veut un champ URL. Est-ce qu'on a un champ URL? C'est quoi le champ browser là? Un browser, c'est pour aller vers une autre page. Mais nous, c'est pas vraiment ça. Nous, ça peut être une page sur un lien externe et tout. Donc là, on va recréer un champ qu'on va appeler URL. On va mettre URL. Et après, on va créer un champ qui serait un select. Est-ce que ça existe les select? Multi-select, select, select? C'est quoi select impact? On va prendre ce champ-là. Et on va lui proposer en fait de choisir entre primary, primaire et secondaire. Et là, on va mettre secondary. À quoi il ressemble dans le hero le second bouton? C'est default ou primary? Secondary. Ok, secondary. Browser, c'est utilisé pour les relations many-to-many ou belongs-to. Ouais, bah, de toute façon, on verra ça plus tard. Hein. Secondary, ça fait primary. Voilà. Non, c'est bien secondary, c'est pas genre default ou genre de truc là. Primaire. Poum, 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 poum. Ok, donc là, c'est un bouton. Typiquement. Tuile répéteur max. On peut en avoir 4. Et là, on l'appellerait bouton. Ouais, tu peux vite te retrouver avec pas mal de choses, je pense. Donc là, on a un add item. Ouais, je m'attendrais vraiment à avoir un label là. J'ai dû merder. Dans le hero. Name type. Ouais, c'est label en fait au lieu de name. Nope. Mais là, on peut créer autant de boutons qu'on veut. Donc le bouton, ça serait voir le site. On irait sur un site au hasard. Et là, on mettrait primaire. On ajoute un autre élément qui serait un bouton qui s'appellerait pas voir le site et qui irait vers bah, Google. Allez, hop. Et là, ça serait secondaire. En update, on va ici, paf. Et là, on me dit site blocks button not found. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y ait pas un nom pour ce truc-là. Attendez. Le repeater n'a pas de nom. Ouais, ça m'étonne. Ce que je comprends pas trop, c'est pourquoi tu me pètes la tête là. En fait, je m'attendrais à ce que ça soit dans. C'est un répéteur, donc pourquoi il veut le mettre dans le bloc? On va pas le froisser. Hein. D'accord. Du coup, ce serait la même chose là. Si je veux le texte, on créerait. Si je veux créer un bouton là. Hop, ce serait un A. Au niveau du href, on aurait ce qu'on avait là. J'expérimente tout seul, hein, hop, en mode. Donc ça serait URL et là ça serait le label. Ça fonctionnerait comme ça. Ouais, le truc c'est qu'il le crache tout seul en fait son truc là. C'est pas ouf ça. Et là on mettrait ouais, ça comment je l'ai appelé aussi. Alors en soi c'est bien et pas bien à la fois là. Je me demande si j'ai pas fait une bêtise. Alors là, j'ai mis office, bon, c'est pas grave. Pourquoi ça fait ça? C'est bizarre. On est d'accord que le champ, il est dans le bouton. Ouais, il est bien dans le héros. On a bien bouton ici avec les différents boutons. Ouais, ça c'est pas ouf par contre.
C'est pas ouf concrètement. T'as pas mis le répéteur au bon endroit dans hero.blade.php. Non, mais j'ai pas tes zones d'endroit où je peux le mettre en fait. Je vais regarder si j'ai pas loupé un truc sur les blocs et les. You can add another field, create an item block, the one that will be repeated inside the container block. Et après, on m'explique pas comment le rendre. Cependant, on avait vu tout à l'heure la classe block. Donc, si on cherche un petit peu, on doit avoir un as media qui. C'était là qu'on avait trouvé input, on est d'accord. Want to render child block when using repeater inside the parent block, you can do the following. Render blocks. D'accord. C'est quand même bizarre comme comportement par défaut. Alors certes, c'est peut-être moi qui ai mal fait le taf, on est d'accord, mais c'est quand même chelou qu'il ait fait ça comme ça. Ici, là, donc ils disent qu'il faut faire false. If you want to render child block when using repeater inside the parent block. Si je fais ça, tu veux dire que là, j'ai plus mes boutons, d'accord. Et du coup, je fais... Ah. J'ai du mal à comprendre, du coup. Du coup, je fais comme ça là, après. Je ferai un bloc, render blocks. Ben non. En fait, le problème, c'est que je suis bloqué ici. C'est, je ne sais plus comment rendre les enfants à ce niveau-là. On va chercher sur Google, voir s'il y a des bonnes solutions. Twill.io render child repeater block. Là, on teste la communauté. Gna gna gna. Ouf, c'est quoi ce site-là? C'est quoi Spectrum? Je vais éternuer. Ah, lui, il fait un for each block children. Ah, je vais rééternuer les gens. Désolé. Ah, en fait, tu veux dire que tu peux faire ça là? Attends, ça m'étonne ça. Arrobase dump block. Comment tu ferais la différence entre les différents blocs du coup? Ouais, bah du coup ça a l'air de marcher, mais comment tu fais si tu as plusieurs enfants? C'est pas fou ça, c'est vraiment pas fou. Après, l'avantage, c'est que tu peux rendre ça comme tu veux, quoi. Là, tu peux faire un arrobase forEach block. Ouais, mais... Ouais, non, c'est ça. Tu peux faire block children. Ah, toi, tu veux dire, est-ce que tu peux pas spécifier les enfants? Ouais, c'est pas con. Ce qu'on peut faire, c'est créer un nouveau répéteur qu'on appellerait... Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. C'est que dans block, ici... J'aurais peut-être une méthode sur les children. On a une asMany. Et quelque part, j'aurais peut-être un champ qui me permettrait de récupérer que les enfants d'un certain truc. Mais non. Mais non, mais non. En fait, la question, c'est est-ce que dans ma base de données, je vais avoir ce que j'ai là? Ce que j'ai mis ici. Ouais, c'est ça, je pense que non en vrai. Donc là, j'ai perdu mes boutons. Quoi ça ressemble dans la base? Ça doit être un foutoir dans la base de données.
Là, j'ai les blocs. Et là, j'ai office nul. Oui, ça, c'est le type du bouton. Ah, là, on a un child key. On a un child key. Donc, vu que j'ai un child key, ça, est-ce qu'on peut le dégager du coup en mode ni vu ni connu où il y a plein de dépendances sur ce truc-là et mieux vaudrait éviter? Il n'y en a pas. Donc, on a un child key. Mais en vrai, il n'y a rien qui saute aux yeux là. Hein. As present, as relate, peut-être dans le as related. Non. Le truc, c'est que s'il y avait un truc sur les enfants, je l'aurais mis là, quoi. Checkbox, get table. Bon. En vrai, je peux faire ici un bloc children. Enfin, hop. Faire arrobase for each bloc children as button. And for each. Je prends mon élément button que je ne suis plus obligé de créer, je pense, maintenant. Je vais me mettre là. Vous allez voir comment on peut, je pense, je supprime ce button. Vas-y, cherche dans l'ensemble de mon projet si tu vois des traces de button, mais on s'en fout. Je réactualise la page et ça m'affiche mes deux boutons. Voilà, c'est parfait. J'ai renommé la classe entre-temps ou comment ça se passe? Oui, c'est que j'ai pas mis primary et secondary. Ça, on va le mettre d'ailleurs, on va en profiter pour le renommer correctement. Button. Ça va être type. En fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que je me suis en train de me dire peut-être qu'il n'y a effectivement pas de leaf page. Il n'y a peut-être pas de truc pour ça. Mais en soi, c'est pas bien grave parce qu'on peut l'avoir d'une autre manière. C'est qu'on pourrait l'avoir en faisant un where. Parce que j'imagine que children, et ça marche, oui. Children, ça doit être une collection. Et peut-être ce qu'on peut lui dire, c'est lui dire à ce niveau-là, on a vu que dans button, on a donc une propriété qui s'appelle type. J'imagine qu'on peut du coup récupérer type si c'est bien fait. Button. Donc là, on pourrait rajouter je veux tous les enfants where type est égal à button. Et techniquement, on n'aurait que nos boutons. Donc si jamais on avait un autre type, il suffirait de rajouter ça et hop, on n'aurait plus l'autre type. Donc ça pourrait fonctionner comme ça et en soi, c'est pas gênant. On n'a pas un helper dédié, mais c'est pas gênant. Alors, le truc qui m'étonne, et truc que je veux vérifier, on va sortir la Laravel debug bar. Le gros questionnement de ce genre de truc, c'est est-ce que ça fait comme WordPress, c'est-à-dire que ça génère 600 millions de requêtes ou pas. Donc, on va installer ça comme dépendance. Ensuite, you don't use auto discovery. Ok, il n'y a rien à faire normalement. Hein. Et pof, on devrait avoir la barre. Dun, dun, dun. Ok, queries 7. Il trouve le poste. Ok, donc celle-là, il n'a pas le choix de la faire. Celle-là, il n'a pas le choix. Il trouve les traductions. Concrètement, je pense qu'il n'est pas trop mal. Mais alors, par contre, comment il trouve le poste? Bloc parent ID égale 14. En fait, je me demande comment il trouve les boutons. Ouais, c'est ça. Donc on a cette requête pour un héros. Mais on a le système de traduction qui vient quand même foutre un sacré bordel. Alors ce que je me demande, c'est, tiens, on passe en mode éditeur et on se dit, tiens, j'aimerais bien avoir un autre héros. Ah ça, c'est ce que quelqu'un disait sur le... Quand on a cherché Twice tout à l'heure.
Quelqu'un avait l'air de dire qu'il y avait un problème avec ça. It looks like Twill append the repeater block at the end of the component. Doesn't. Ok. Bah, y a une solution pour tout, hein. En tout cas, ça a l'air d'être quand même pas mal utilisé parce que ça fait deux problèmes qu'on a et on trouve la solution sur le net internet. Et si on trouve la solution sur le net internet, c'est quand même pas mal. Hop, on réactualise. Bon, l'éditeur visuel me séduit plutôt pas mal. Ouais, ça marche pas du tout, c'est pas grave. Donc on rajoute un nouveau bloc. On l'appelle démo. Démo. On attache la même image. Parce qu'on est quand même un peu flemmard. Et on rajoute des boutons. Voir le site qui mène sur Graphic Art. Et on choisit un bouton de type secondaire. Ensuite, on choisit un texte du bouton supprimer. Hop, l'URL, ça sera slash delete. Et le type, ça sera... Bon, ça clignote un peu hein, à gauche, mais c'est normal. Done. On est content. Ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas de bouton sauvegarder ici, quoi. On update. Il y a l'air d'avoir pas mal de flash pour patcher les problèmes. Flag. Ok, ok. Donc, je réactualise. Ok. Donc là, combien on a de requêtes maintenant? 9. Une requête pour récupérer. Ouais, donc ça veut dire qu'à chaque bloc que tu as, il va faire une requête pour récupérer les choses, plus une requête pour récupérer les répéteurs. S'il y a des répéteurs éventuellement. C'est pour ça que là, il fait deux requêtes. Il en fait une pour trouver le bloc. Bon, en soi, c'est pas trop dégueulasse. Faut mettre en cache, quoi. La question, c'est cet article-là. Updated à 18h00:29. Je modifie un des contenus des blocs. Je rajoute un E. Qu'est-ce que c'était l'heure? 18h29. Je mets à jour. Je réactualise ça. Ça a été mis à jour. Donc si tu as une clé de cache qui dépend du updated at, c'est bon. Donc ça en soi, ça ne me fait pas si peur que ça. J'ai appris avec le temps que tu peux avoir 600 requêtes SQL. C'est pas gênant si derrière tu peux mettre en cache facilement. Et là, ça a l'air d'être le cas. Ok. Donc l'autre truc que j'ai peut-être envie d'essayer... Et je pense que j'aurais fait le... Ah, je peux créer des pages custom? Bah tiens, on va tester ça. Tiens, je ne voulais pas tester ça, mais en vrai, ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe si dans l'admin, je veux créer un truc qui ne dépend de rien? Si vous avez d'autres questions sur ça, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, on teste des fonctionnalités si vous avez des trucs en particulier que vous aimeriez bien voir. Donc, je peux créer une custom page... D'accord. Et là, on lui donne le nom d'un contrôleur. Ah, il y a le rouleau avec sa moto qui arrive. Je ne sais pas si vous l'entendez malgré le coupeur de son. Ouais, moi, je pensais à la liaison avec des catégories. C'est le prochain truc que je vais faire. Ouais, on va faire un petit contrôleur. Là, je m'imagine juste créer un petit contrôleur custom. Démo contrôleur. Je vais dans le démo contrôleur. Je teste twill.io. Index. Je return view hello. On va l'appeler démo. Je vais aller dans home.blade. Hop, je vais créer un fichier demo.blade.php. Je fais Hello World. Là, j'improvise complet. Hein. Je vais dans Admin ensuite. Et là, je lui dis, rends le démo contrôleur et l'action index. Ensuite, il faut que je crée la nouvelle route. Donc ça, c'est dans Twin Navigation, désolé. Donc la custom page. Ok, la route, c'est admin.custompage. C'est le nom que j'ai mis à ça. Ok. Ça, la clé, je pense que tu peux mettre ce que tu veux. Ok. Réactualise la page. Custom page. Ah oui, oui. Pour le coup, c'est vraiment... je pense qu'il me manque l'extend du layout, mais en dehors de ça, on doit être pas mal. Ah, on peut utiliser composant vue. Ouais, c'est l'enfer, ce truc-là.
Donc eux, ils font ça, c'est un exemple, et paf, j'ai une page. La question, c'est est-ce que c'est des vrais composants qui sont des sortes de custom elements ou c'est juste que ça a été transformé par Blade, par Laravel? Ok, c'est vraiment des custom elements transformés par Blade. Ok. Enfin, par Vue.js. Ok. Bon, ça, c'est pas mal. Si tu as besoin de créer des trucs personnalisés dans le back-end, tu peux utiliser les composants de base. Ça c'est plutôt séduisant, je vais pas vous mentir. Ça peut être plutôt pas mal. Bon. Oui, donc on se disait qu'on aimerait bien. Alors, est-ce que vous voulez qu'un article ait plusieurs catégories? Oui, on veut qu'un article ait plusieurs catégories. Après, j'ai pas vu tout, hein, mais je dirais que bon, on commence par créer un module. PHP artisan make de point module. Un CMS sur Laravel également. Attends, non, on en a fait un, on va pas en faire deux dans la soirée. Déjà, le back-office, il ne m'inspire pas confiance. Ah, oh, le scroll. Oh, Dieu, c'est dur. Ah, les mecs, ils ont rip stripe, YOLO, quoi. Hein. Ah, c'est où qu'on achète? Enfin, c'est où qu'on achète? C'est comment qu'on l'installe? Elle est où la doc? Ouais, ça n'a pas l'air ouf. Hein. Je suis désolé, mais ça passe pas mon get started. Voilà, il me vole mon scroll et j'aime pas les gens qui me volent mon scroll. C'est admin. Ouais, c'est ça. Déjà, je reconnais le template, effectivement. Mais alors, attendez, là, on était sur ça. Donc, on veut générer une nouvelle migration, basiquement. Donc, on fait un PHP artisan tuer le module. On va l'appeler catégorie. Do you need to use block editor? No. Do you want to translate? No. C'est chiant les traductions. Generate a slug? Yes. Do you need to attach image? No. 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 Là, on veut gérer les catégories. Ça, il pourrait le faire lui-même. Ça, vraiment. Petit truc là. Tu m'ajouterais ça me gênerait pas. Ensuite, on regarde la migration, catégorie. En fait, c'est ça. Au lieu de générer ton modèle, tu regardes la catégorie. On va avoir un titre. Et c'est tout, quoi. Pour les catégories, on n'a besoin de rien d'autre. En fait, on a besoin de les associer quand même, ces catégories, à des articles avec une many to many. Alors, la question, c'est comment on fait les clés étrangères à la table truc? Est-ce qu'il y a un raccourci ou c'est toujours l'enfer sur Laravel? Many to many Laravel. Pourquoi t'indexes au dernier? Enfin, pourquoi il se retrouve aussi loin là? Alors. Many to many. As many, many to many. Mais non, pas polymorphique. C'est une juste belongs to many. As one of many. As one. Tu utilises quoi, The Cocal, vu que t'as pas l'air d'aimer les migrations, chose que je peux tout à fait comprendre. As one of many. Elle est où la many to many? Je suis con, elle est juste en dessous. Alors, modèle structure, ok. En fait, je veux la migration, si tu veux. Donc là, ce que tu me montres, ça ne me sert à rien. Migration many to many. Pff.
Si quelqu'un sait où je peux le trouver, cette info. Parce que j'ai la flemme. Role user. Ouais, bon, on est parti. Ouais, il faut créer la table, mais il n'y a pas genre un table many to many, et hop, il me le ferait tout seul, quoi, non. Allez, vas-y, hop. Donc, on veut créer une table. Catégorie underscore post. Si ça existe, je veux bien que vous me donniez le lien avant que je fasse ça. Since the index design Laravel provide additional denia. The foreign ID is... Ouais. Create default relationship le table field. Non, il me propose pas ici. Je veux bien que si tu peux envoyer le lien. Tu veux dire que quand tu fais la commande, il va automatiquement générer ça? PHP artisan make migration create. Ok. Bon, donc, moi je vais faire ça ici. Et là, c'est catégorie. Et après, je regarde ton lien. Merci. Tuile generate migration are standard Laravel. Ah, c'est pas mal. Eux, ils ont créé leur propre helper du coup. Donc là, je peux faire ça. Je fais ça. Et là, je mets le nom table 1 name singular. Catégorie. Post. Will add following structure. Ouais, mais ça devrait être dans la Laravel, ce truc-là. Pourquoi il met les slugs dans une table séparée? Ça, c'est un truc qui est vraiment mystérieux, ça. Pourquoi foutre les... D'après vous, pourquoi il fout les slugs dans un truc séparé? Si quelqu'un sait, je suis très curieux. Ouais. Pour gérer plusieurs slugs. Ouais, peut-être quand tu renommes, il peut garder des anciens. Ok, on va faire la migration. PHP artisan migrate. Je sais que pour la traduction c'est utile, mais là en l'occurrence j'ai choisi de ne pas avoir de traduction. Ok, c'est pour rediriger les anciennes URL. Ouais, c'est comme ok, c'est un argument. On va fermer tout ce qu'on a ouvert. Voilà. Donc je réactualise la page. Admin categories index is not defined. Tudu. Il me manque un élément. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Dans la config de tuile, il me semble que... Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quand tu crées un module... Ah là, dans la console, qu'est-ce qu'il me disait? Include your form, yeah, tuile navigation, je l'ai déjà fait. Il y avait une étape en plus? C'est là. Non, justement, la route existe pas. Existe. Voilà. Donc là, on a les catégories. Ouais, ça, on va le mettre en. Ah, c'est bizarre que custom page. Là, il organise par ordre alphabétique. Pourquoi il faut custom page après? Bon, peu importe. Donc là, je crée des catégories. Catégorie 1. Et il pète un câble.
Mais qu'une fois. Il pète un câble qu'une fois. D'accord. Comme c'est rigolo. T'oublies de quoi pour ton module, je crois. T'oublies. What? Regarde la console, t'es obligé de quoi? Et pas clair. Ah ouais, ok. Alors quand tu... Ouais, ok. Non, 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 c'est bon, c'est clair. En fait, il croit qu'il y a besoin d'une description. Donc on a une première catégorie, catégorie 2. Après la question, c'est par rapport à la Ravel Nova, qu'est-ce que ça vaut? C'est vrai que ça c'est... Ok. Voilà. Et maintenant, j'aimerais bien associer des articles à mes catégories. Donc, je vais préciser qu'au niveau de mes articles, là c'est du Laravel classique. Je vais faire un boum boum. Un public pubfunc hop categories et j'ai précisé que ça va faire un this many to many as many catégories. Comment on fait une many to many? Oh là là, les bases ne sont pas posées. Laravel relationship. Est-ce qu'on aura? Ouais, ok. Many to many. Belongs to many. Belongs to many. Et on va mettre catégorie. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Et après, j'imagine qu'il faut créer un champ de type relation. Alors, on va voir si on a des informations sur les many to many. Save belongs to many relationship outside of the block editor. Check out the Spectrum tutorial until we update this section to get the more info on setting this up. When using inside the block editor. Ok, on s'en fout du block editor. Ah ouais, donc là, il te renvoie sur une autre page. Mais nous, on n'a pas trop envie de faire ça. Nous, on a envie d'utiliser un form field browser, du coup. Donc là, on va aller sur catégorie. Non. Post. Post slash form. OK. Avant notre bloc, on va créer un form browser. Le module name. Name of the field. Catégorie. Label catégorie. Le max 4 catégories. Module. Array of modules. Multiple reality module. Must include the name. Ouais, je crois qu'on va pas avoir le choix d'aller regarder le Spectrum. Donc ça, c'est la many to many, on est d'accord. Ok. Admettons. Quel enfer. Module name NVT. Je sais pas si j'ai besoin de préciser le module en fait. On va partir du principe qu'on a besoin. Ok, donc là j'ai créé mon browser et je reviens dans la main admin. D'accord, donc là j'ai add categories et je peux choisir les catégories. Si je réactualise, ouais. Elles n'ont pas été attachées, d'accord. Si j'enlève le module name, qu'est-ce qui se passe?
D'accord. Donc module name, c'est le nom du truc qu'il doit chercher en fait. J'attache et je publie. J'actualise. Ça n'a pas été sauvegardé. Mais c'est ce qu'il avait l'air de dire dans l'exemple de Spectrum là. Oui. Bah déjà dans le fillable, je me demande si je devrais pas mettre catégorise en soi. But if we save it, we will not receive any error and nothing will be stored. This means that I'm creating the HTTP PHP. The command will create an empty migration. Ok. With the DB supports. Ouais, ok. On the article repository, we add the after save button. Ouais, c'est ça qui me manque. Also for displaying the select, we need to update the browser field that are displayed in the form. Regarde dans le repo, c'est plus clair que le tuto. Non. Moi, je vais regarder de la mauvaise manière. Dans le post repository, dans le after save, tu fais ça. Il y a des trucs qui sont un peu chelous quand même. Hein. Et c'est categorize. After, for displaying the selected, we need to update the browser field that are displayed on the form. Non. On réactualise. J'attache la catégorie 3 et 2. Je mets à jour. Et là, il me dit cannot processed. Sync on null. J'aimerais avoir un WYSIWYG sur mon blog. Ça dépend des fonctionnalités du WYSIWYG dont tu as besoin. Ouais, je pense que je vais finir par aller sur le code. T'en as plein après, tu peux chercher sur Internet. Mais tu as Trumbowig, qui est fait par Alex D, qui passe souvent ici. Toi, tu me dis, tu devrais aller regarder le Google. Enfin, le GitHub. Ouais, mais c'est juste la flemme, quoi. CK Editor, c'est pas mal aussi. Dans le trait du repo, il y a des exemples. Il y a des exemples. Si tu veux un truc simple, Trumbowig, hein. As media as log. Ah non, je comprends pas, il n'y a pas la relation là qui met là. Regarde le trait handle browser. Ouais, mais tu me dis, regarde le trait, mais oui. Il est où ce trait? Je vais faire ça. Je suis parti du principe que ça marche tout seul et que j'ai rien à faire. Plus haut dans les commentaires. Quels commentaires? Où ça? Alors j'ajoute des catégories. Deuxième tentative. Et là, il est carrément disparu. Ah non, il est là. Ah fuck. D'accord que c'est pas sauvegardé là quand même. Est-ce que j'aurais créé les migrations? Est-ce que j'aurais effectué mon migrate? Ouais, non, c'est là. Donc non, c'est clairement pas sauvegardé. Alors, regarde le trait handle browser dans module repo. Module repo du GitHub là? Parce que je comprends pas de quoi on parle. Browser used in the modal as an array. Browser.
Ouais, du coup, en fait, il faudrait faire ça là. Faudrait faire un browser égal catégorise. Et du coup, là, ça devrait marcher. Ça, faut pas le faire en fait. C'est déjà importé. Must return a relationship instance, but null was return. Was the return keyword used? J'ai dû faire la boulette que je fais tout le temps et personne ne m'a rien dit. C'est que j'ai oublié de return. Merci les gens, absence totale de support, ça fait plaisir. Est-ce que par hasard, du coup, on a vraiment besoin de ça là? Oui. Ça est en train de tester ma patience. Unknown position. Unknown position. Alors ouais, mais comment te dire que ça n'a pas de position, ce truc-là? Incertitude. Pourquoi tu veux insérer un poste ici, là? Ah, ok. Donc peut-être que dans la documentation ici, on a une position qu'on peut mettre à false. White button on top, item label, browser note. Fill note, note, max, endpoints, modules. Non, ça a l'air pas mal. En fait, je pense qu'il essaie de trouver une position parce qu'on pourrait organiser. Ce qui en soi est une pas mal ch bonne chose, ça peut être cool, mais là, je n'en ai pas besoin. Donc j'aimerais que tu n'essaies pas d'insérer cette position. Ça m'arrangerait. Et non, t'as décidé de faire ta putain de tête de lard, quoi. Ah, c'est chiant. Bon, YOLO, on va partir du principe que tu es obligé d'avoir ce champ, hein. Comment on peut faire? Comment on peut faire? J'ai pas envie de lâcher le morceau, là, quand même. Sur ça, j'ai pas envie de lâcher le morceau. Many to many without position tuile.io. Et on va mettre belongs to many. Voilà. On va faire un Google, peut-être que lui trouvera un peu plus. Nope. Ouais, bon, allez, je lâche l'affaire, j'ai pas envie de me prendre la tête. Il a gagné pour ce coup-ci, mais voilà. En tout cas, on voit que le sort marche bien et que là maintenant, si je réactualise, c'est ok. Bon, on a quand même une position à la base, même si on n'en a pas besoin. Je peux vivre avec. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Si je clique sur catégorie, ça me permet d'aller éditer la catégorie. Et ça me permet d'aller voir la catégorie. Bon, concrètement, je pense avoir fait le tour. On n'a pas tout vu. Ah oui, on peut traduire aussi. C'est où qu'on définit les langues? Comment on ajoute des pages custom? On l'a déjà fait. Là, on a créé une page custom ici. Donc on peut le faire. Ça s'intègre assez bien dans l'admin.
C'est plutôt cool. Moi, c'est moi où il n'y avait aucune explication de du multilingue là. Translation, peut-être trans. Ça reste du crud. Non, non, les pages, ça peut être n'importe quoi. Hein. Là, j'ai mis ça, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi. Hein. Comment l'appeler? Démo? Ouais, là, regarde, j'aurais pu. Je peux mettre un lorem ipsum, je peux mettre des divs, tout ce que je veux, et ça apparaît là. Hein. Là, tu mets le code que tu veux. Si tu as envie de créer un dashboard et tout. J'ai un rôti au four. Bah, garde-moi une tranche, hein, j'arrive. Hein. Ah oui, Macamo, je vois que je peux l'ajouter à la migration. En fait, moi, c'est juste que je le voulais pas dans ma base du tout, quoi. Tu m'envoies ça par email, hein, tu mets sujet rôti et après tu me l'envoies par email et impeccable. Ah, me dis pas que je me suis foutu de l'eau dans les oreilles. Configuration. Sûrement dans la configuration, en fait. Il y a un truc où il y a toute la config. Putain, premier jour où je me baigne, je me suis déjà foutu de l'eau dans l'oreille et c'est en train de faire. Il n'y a pas un truc où on a toute la config en fait? En fait, moi je veux les langues. Ah, local. Fait, je vois marqué local configuration, mais. Ok. Since tuile on UI can be translated using blank file. Déjà, passe-le en FR. Oui. S'il me remarque. Non, mais moi, en vrai, ce que je veux, c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir traduire mon contenu que j'ai demandé en plusieurs langues, là. Translatable.php. Je comprends pas ce que. C'est dans config translatable. Ah! Ok, en fait, vu que ça transformait ton truc en lien, je me suis dit, mais pourquoi il m'envoie un lien vers translatable.php? Je me suis dit, c'est bizarre. Ok, là, pour les articles, j'imagine que maintenant, on a ici la possibilité de le traduire. Ouais! Ok. Ok, ouais, désolé, du coup, je me dis, mais il est bizarre. Pourquoi il essaie de me renvoyer son lien là? Il essaie de me la faire à l'envers. Non, mais concrètement, c'est pas mal. Je dirais que si tu as besoin de faire des CRUD assez fréquemment, ça peut être plutôt cool. Ça peut être plutôt cool. Non, ouais, bon, pas grand-chose de plus à dire. Ça a l'air assez facilement extensible. Peut-être la question qu'on peut se poser. C'est comment on fait pour créer des champs custom en fait. Qu'est-ce qui se passe si je veux créer un champ qui n'est pas dans cette liste-là? Par exemple, on s'imagine, je veux un champ. Bon, il y en a déjà pas mal, hein, comme le color picker, on s'y attendrait pas, mais il y en a un. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux un champ mais hyper technique et créer mon truc avec Vue.js et tout ça? Dans custom là, on n'a pas forcément d'exemple quoi. Naming convention custom component. Select Ajax, je pense pas. Parce que je sais que c'était un gros point que j'avais avec Strapi. Custom Blocks and Repeaters. Ok, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire. Moi, je veux créer des champs. Extending tuile with custom component. Extending twig. Ah, tuile. With custom component. OK. On top of custom block, it is possible to build tuile with custom view component. This can be used to override tuile owns view component or create. Tuile custom component path configuration can be used to override the path under Laravel resource folder that will be used as a source of view component to include in your
Form JS build when running PHP Artisan Twill build. You have to run PHP Artisan Twill build for your custom view component to be included in the front-end build. Ok, donc on retombe sur l'exemple. Bon, là, je vous avouerai que j'ai pas la motivation pour me lancer dans un truc pareil, mais apparemment, on peut. Donc là, je vais partir du principe qu'on peut. Je ne sais pas à quel point c'est facile, mais on doit pouvoir, quoi. Donc voilà pour ce petit tour de tuiles.io. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je dirais que c'est quand même pas mal. Ce que j'aime bien, c'est cet éditeur visuel. Non, c'est pas vraiment là, c'est ça. Parce que j'ai un client où on a ce besoin-là en ce moment. Et c'est vrai que développer un système maison, c'est chiant et long. Et du coup, d'avoir cette possibilité-là, il manque juste un petit bouton sauvegarder qu'on aurait peut-être là-haut. Et ça serait parfait. Et le fait de ça là, de pouvoir le désactiver. Après, je dirais qu'il y a pas mal de trucs qui sont pas forcément super évidents. Parce que j'ai du mal à comprendre concrètement, c'est pourquoi ça utilise des fichiers Blade pour définir les formulaires. Le problème, c'est que dès que ça utilise du Blade, ça nuit à la découvrabilité de nouvelles méthodes. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi ces formulaires ne sont pas des classes en fait. Pourquoi on n'aurait pas un nouveau type de classe qui serait directement là et je sais pas pourquoi c'est du Blade, c'est juste ça qui m'étonne. C'est ça là, ça je comprends pas trop. C'est juste un choix qui m'étonne. En bas, donc, ah oui, c'est là, mettre à jour. Et ça, c'est quoi ces blocs là? Paf. Ok, donc ça marche pas. Et après on peut mettre une image, mais ça va pas marcher aussi parce que j'ai pas mis d'image. Ouais, j'ai pas le bloc pour preview. Ok, fermer, mettre à jour. Hop, fermer. On revient sur la page d'accueil. Ouais, il a pas le bloc. Ok. Donc voilà pour ce truc-là. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce qu'on se tente une petite découverte d'astro ou pas? On va au Myanmar. Alors, on se tente un petit astro. Bon, voilà. Alors, après, à voir si j'explore ça un petit peu plus en profondeur, si tuile.io peut être l'objet d'un tutoriel. Ça peut être intéressant, mais il faudrait que je pousse un peu plus en profondeur certaines fonctionnalités particulières. Notamment la création des champs. Donc peut-être un nouveau live, on découvrira ça. Ok, donc là on va passer à astro.build. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'en ai entendu parler, il y a eu plusieurs retweets, et ça, je l'ai vu dans le Reddit JavaScript. Globalement, c'est un truc qui permet de construire des sites statiques. Et je vais être honnête, j'ai l'impression qu'en JS, ils passent leur temps à réinventer un builder de site statique toutes les 3 semaines. Sinon, ils trouvent pas ça fun. Et lui, il propose de construire ça avec moins de client-side JavaScript. Donc, c'est pas un truc à la Nuxt, Gatsby ou Next ou autre bêtise là. C'est un truc qui va normalement construire avec moins de JavaScript côté client. Donc, en résumé, j'ai l'impression qu'ils vont nous réinventer Jekyll, quoi. Voilà, donc ils ont annoncé ça en mode super hype parce que j'ai vu beaucoup de comptes retweeter ça. Alors j'ai l'impression qu'il y a une partie de la communauté tech, dès qu'il y a un nouvel outil, elle le retweet sans même le lire. Du coup, ben, sais pas, regarder si les outils sont intéressants avant de les retweeter, quoi. Bon, peu importe. Alors ça permet de choisir n'importe quel framework que l'on peut utiliser. Apparemment, on peut faire du React, du Svelte, du Vue. Ça génère de l'HTML statique et pas de JS. Ça génère les composants on-demand. Alors ça, je ne comprends pas trop ce que ça fait. C'est fully featured et c'est SEO enabled. Donc ça peut être cool parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans les autres trucs. Donc pour commencer, on va créer un nouveau projet. Alors on va couper ça. Et on est parti. Donc là, on va l'appeler Astro, enfin test Astro. Donc ça, c'est toujours ce que je fais quand il y a une nouvelle techno un peu hype qui arrive. Ben, on la teste. Ensuite, on fait un npm init Astro. Et on attend. Ah, non, ben, ça a été plus rapide que prévu. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire?
Est-ce que vous voulez qu'on commence avec un starter kit ou on fait un blog, un document, une portfolio? Qu'est-ce que vous avez envie de créer aujourd'hui? Allez, un portfolio. Portfolio de Macamo, starter kit pour Jérémy, on peut en faire deux. Allez, on part sur portfolio. Et là, on attend. Merde, à chaque fois que je dis qu'on attend, c'est rapide. L'enfer. Ok. Maintenant, on fait Yarn. Et on attend. Ok, c'est bon, c'est installé, 20 secondes, ça va. On va ouvrir ça dans notre éditeur. Ce dossier-là, va falloir que je le vide. Hein. À chaque fois que je teste des trucs, je crée un nouveau de trucs et je me fous de ce qui reste. Voilà, test astro. Ok, donc on a un dossier node module, classique, qui pèse plus que du plomb, quoi. Alors, on a le dossier public qui va être la page d'accueil racine, où on a un fichier SSS, donc ça déjà c'est chelou. Et ensuite un dossier SRC où on a nos composants, notre layout et les pages. Et qu'est-ce que serait Nouveau Techno avec son propre moteur de template qui ne sera jamais compris par les éditeurs, hein? Quel enfer, quoi! Putain, je déteste ça. Je supporte pas ça. Bon, déjà, premier a priori négatif. Alors, ensuite. Ensuite, on me dit que je peux faire un Yarn Start. Et pourquoi utiliser un moteur de template que tout le monde comprend quand tu peux faire ton propre moteur de template? D'accord, donc déjà ça a l'air de faire plein de trucs que je comprends pas, mais ça a démarré sur localhost 2.3000. Et voilà, on a notre portfolio, on peut le mettre en ligne. Alors je vais juste fermer les trucs là, voilà, et ça on va le réouvrir sur un autre onglet que je vais mettre là, et ça je vais le rebalancer là, voilà. Donc on voit qu'on a notre portfolio qui marche. Oui, c'est comme du Jekyll, quoi. Hein. Alors comment ça marche? On va regarder un peu la structure du bousin là. On a un dossier page qui va contenir nos pages. Donc là, on a des fichiers Markdown. Tous les templates connus aujourd'hui étaient aussi pareils au départ. C'est le paradoxe du videur. Comment tu fais pour être habitué si c'est la première fois? Bah, le truc, je vais pas te mentir, c'est que tu peux te reposer sur le moteur d'un template d'un autre. Le problème, c'est que quand il y en a 70 qui existent déjà et que tu en crées un 70e qui ne propose rien de nouveau, c'est con. Juste pour y mettre ton extension à toi, je trouve ça inutile. Tu vois, par exemple, quand on prend le cas de Slim, enfin, ouais, c'est ça, Slim en Ruby, bah, c'était basé sur une autre syntaxe. Donc, c'est pas gênant parce que quand tu as un éditeur, bah, tu peux lui dire, vas-y, c'est l'autre syntaxe. Il y a, je sais plus quel moteur de template qui ressemble à Twig, et Twig ressemble à un autre moteur, donc c'est facile. Mais là, c'est vraiment des trucs chelous, quoi. Enfin, excuse-moi, mais là, tu as un import, on dirait du JavaScript, où tu importes une nouvelle extension, et puis derrière, tu as un template, ça n'a pas de sens. Mais on va voir. Voilà. Le truc, c'est qu'on critique pas trop. Enfin, on critique à mort, mais on verra. Non, ce qui est chiant, c'est surtout que ton éditeur va jamais le comprendre et du coup, ça rend le travail difficile avec la techno. Donc, si vous créez votre propre techno, pensez à ça. C'est chiant. C'est juste chiant parce que déjà, ça fait chier les développeurs qui ont travaillé sur votre projet. How Astro work? Astro works a lot if you have ever you. Ok. Ouais, ce que tu vois, il en existe déjà une tonne, donc je vois pas ce qu'il va apporter, mais. In Astro, you compose your web site using UI components from your favorite JavaScript and Ninja. Also, Astro renders your entire site static HTML during the build. Ouais, donc basiquement, tu crées tes composants en Vue et compagnie, et ça génère une version statique que tu as là directement comme ça.
Déjà, il y a du CSS à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Tu as trois fichiers CSS différents. On va le builder. On va le builder parce que je veux voir ce que ça donne quand c'est buildé. Parce que là, j'ai fait un yarn run start, on est d'accord. Donc, on va imaginer qu'on build. Est-ce que c'est sain ou pas comme écosystème? Voilà. Donc là, on a build. Tout pèse 0 kg, donc c'est génial. Hein, c'est vide. Tu as Hugo. Oui, c'est pour ça, en fait, c'est ça qui me tue. C'est que les builders statiques, on en a plus que nécessaire, à mon sens. Donc là, j'ai un dossier 10. D'accord? Donc nous, vu qu'on n'est pas à une contradiction près, on va démarrer un serveur. Directement de PHP. Et on va regarder ça sur localhost de point 8000. Voilà, donc notre portfolio, les images, elles ont mis un temps à charger, c'est un truc de fou. Inspecter. Regarde la première ligne. Attendez, copier, copier l'adresse du lien. Hop. Ah non, mais tu peux me sortir ça, tu peux me dire ça, mais ça n'empêche que je le pense quand même. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans notre onglet réseau? Déjà, combien pèse cette page? Elle pèse 1,17 mégas, ce qui est assez gros, mais il faut prendre en compte qu'il y a peut-être aussi les images dedans. Si on prend le JS, il n'y a pas de JS sur cette page. Le CSS, il y a du CSS. Un seul, donc pas rien d'étonnant, ok. Pas d'XHR, j'imagine, rien. Ok. Et après, on a les images qui pèsent, j'imagine, un nœud mort, hein, effectivement. 980, oui, ils ont chargé un splash, ils s'en foutent. Ok. Il n'y a pas de JS sur cette page. Oui, ce qui est logique, en fait. Il n'y a pas besoin de JS pour ça, quoi. Après, quand tu cliques sur les pages, c'est rapide, quoi. Of course, sometimes clients send inevitable image carousel. Je vais gagner. This is where Astro really shine. When a component needs some JavaScript, Astro only load that one component and any the rest of your site continue to exist as static lightweight HTML. Allez, ils ont inventé un nouveau nom d'architecture, évidemment. Hein. Embracing the pit of success. Putain, on dirait qu'ils parlent à des investisseurs, quoi. Poor performance is often framed as the failure of developer. C'est exactement ça. Ils sont pas d'accord, mais moi je suis d'accord, quoi. Is a failure of tooling. Non, si tu as une tonne de JS, tu auras beau avoir le tooling que tu veux. Astro is bien, ouais, c'est ça. Hein. Astro is non, en fait, ce qui me tue, c'est juste le côté. Tu dis oui, c'est une page HTML, donc forcément, ça va tenir sur le long terme. T'as pas besoin de m'expliquer. Enfin, tu viens pas de réinventer. Ouais, bref. Si tu veux, c'est. Ouais, c'est les hyperboles que j'aime pas trop dans le genre de truc. Tu me dis c'est un générateur de site statique, il peut charger du JS si besoin. Point barre. C'est pas non, c'est pas ça qui va faire que ton projet va marcher, c'est pas ça qui va faire que ton site sera performant. Donc c'est ça qui me. Ok, mais après bon, on teste, c'est day one quoi. Bon ça on est d'accord, ça je suis d'accord complètement avec cet argument. Les trucs à la Nuxt et tout, je trouve ça pourri. Island Architecture. C'est quoi ce truc-là? Tu vois, par exemple, on va prendre l'exemple de ce truc-là. Ils nous disent, ben, basiquement, tu crées une page et certains éléments vont être dynamiques sur cette page. C'est ce que fait le JavaScript depuis des années, quoi. C'est ce qu'ont commencé à faire les mecs quand ils faisaient du jQuery. Quand tu crées un carrousel, bah, tu fais ça, quoi.
Tu peux appeler ça micro front-end ou ce que tu veux, c'est basiquement créer du JS qui vient se brancher sur une page, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être c'est moi qui fais mon vieux con, mais vous n'avez pas l'impression que vous... Enfin, je sais pas. Qu'on vous explique un truc que tout le monde fait depuis 10 ans, c'est... Ok. Maintenant, il n'y a pas une doc sur ce truc-là, hein? Est-ce que je ne me serais pas lancé dans un truc sans doc? Alors, on va regarder la structure d'une page. Par exemple, imaginons on a envie de personnaliser le menu. Donc, dans le layout, on a project.astro qui utilise main-head. On peut faire un contrôle-clic et ça ne marche pas forcément. Qui utilise un astro. D'accord, ça c'est vraiment le head-head. Ensuite, on a un lien vers du SCSS. Quel moteur de truc il utilise? Donc, il utilise du JSX, ok. Alors, Twill, c'est un. Donc, c'est l'outil qu'on a vu juste avant. C'est une sorte de. C'est une sorte de CMS pour Laravel. En fait, ça te génère plutôt un back-end pour ton Laravel. Ça te permet de gérer des contenus et d'avoir un back-end qui se fait tout seul un petit peu. Donc, c'est pas mal. Mais il y avait ce truc-là que je trouvais bizarre. Mais en dehors de ça, ça a fonctionné plutôt pas mal. Je pense qu'il faut l'appréhender pas mal. Enfin, il faut l'appréhender. Faut pratiquer un petit peu. Moi, ça a été un petit peu long pour appréhender les choses, mais je pense qu'une fois que tu l'appréhendes, ça peut te permettre de construire des back-office assez rapidement et assez cool, quoi. Et là, du coup, on teste Astro parce que j'ai vu plusieurs tweetos en parler. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va voir de quoi il en retourne. Et du coup, pour l'instant, donc on a vu que quand on buildait, ça buildait vraiment sans tout le bordel. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un élément dynamique? Il n'y a pas l'air d'avoir des éléments dynamiques ici, on est d'accord. Quand je vais sur un view là, ça, c'est pas un carrousel. J'aimerais bien voir qu'est-ce qui se passe si je veux créer un élément dynamique quelque part. Alors quelqu'un, oui, m'a relinké ça. J'ai envie de relire leur explication là parce que Why use Astro? By focusing on HTML instead of JavaScript, Astro is able to be framework agnostic. The common pain point in JavaScript newcomer, Astro approach is based on the reconciliation that is the lowest common denominator between frameworks. By using .astro as a composable component based on when you finally need to introduce dynamic functionality, Astro allow you to bring your own framework. Switch framework. Ouais, j'aimerais bien voir un mec qui switch de JSX à vue en milieu de projet, mais bon. Component oriented HTML. Il y a une extension pour VS Code, ouais, mais j'imagine que PHP semble, ça va pas être le cas, quoi. Point astro file borrow the highly expressive of templating from JSX. Front matter, ok, c'est du YAML avec du JSX en fait. N'y a aucune différence ou c'est moi? Ouais, forcément. Yes. Ouais, ça c'est chiant, mais bon, ok. Fragment. Multiple framework per file. Multiple framework per file. Modifying. Ok, donc non, mais là on était. Je me suis perdu en route, désolé. Je veux personnaliser le header. Cette partie-là, là, le menu. Donc là, ça utilise un nav.astro. Ah, ok. Mais qu'est-ce que je veux faire en fait? Imaginons que je veux créer. Tiens, sur la page projet, comment elle marche? Donc quand on crée un projet, on a ici donc notre Mars Rover, qui est un projet qui est écrit en YAML Front Matter.
Donc ça ressemble à ce qu'on a sur Jekyll. Voilà, et après on va avoir le fichier astro qui correspond, qui est project.astro. Donc là, il crée une collection, et comment tu vois un projet en particulier, du coup? Est-ce que tu as un cours sur React Native? Non, pas du tout. J'ai pas fait trop d'applications mobiles pour le coup. Donc ça, c'est ce qui crée cette page-là. Mais qu'est-ce qui crée? Ah, oui, c'est ça. C'est ça qui crée la page du projet. Donc là, si on prend... En fait, j'ai du mal à capter comment il se débrouille avec son bordel là. Non, mais elle est très vieille cette vidéo. Je suis pas sûr que la moitié des trucs fonctionnent. Donc ici, je pourrais mettre une div. Hello world. Donc je vais là, je vais view, et là j'ai mon hello world. Ok. On va faire un style égal padding de points 100 pixels, juste pour espacer un petit peu les trucs. Ok, et là on s'imagine créer dedans un composant JSX. Donc component, je vais créer un nouveau fichier que j'appelais compteur, et on va créer un fichier index, comment ils l'ont appelé eux? Ok. Un nouveau fichier compteur slash index.jsx. Comment ça marche? Ok, on fait ça. J'importe les styles. Hop. Hop, on va l'appeler container. On va faire un padding de 50 pixels. Hop. Et dedans, je vais faire... Bah là, on est sur du React. Ah, c'est du pre-React, ok. Donc on fait un const count égale use state de count. Ça tu peux pas l'importer. Alors déjà mon éditeur il est aux fraises complet. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Il comprend pas qu'il y a, ouais, il peut pas comprendre qu'il y a du React. On va tester. Hein. Hop, je crée mon use state. Je lui dis que par défaut c'est 0. On renvoie ça. On fait un set count. On va créer ici une div. Et on va mettre compteur de points. La valeur de count. Et c'est comme ça en React. React. Ok. Et maintenant on fait un petit bouton qui va permettre d'incrémenter. Classique. Vraiment ultra classique. Incrémenter. Et quand tu cliques sur ce bouton, je veux que tu appelles un set count de n plus 1. Ok, donc maintenant j'aimerais bien utiliser ce composant là dans ma page, donc dans mon project.astro, plutôt que faire ce que j'ai fait là. Ah oui, je vais mettre un style aussi. On va mettre ici style égal, comment ils ont fait eux? Dans ces classes plutôt. Ok, donc ils utilisent le système de modules. Ouais, classique, 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 classique. Ouais, mais de toute façon, là, je m'en fous. Là, je fais vraiment un composant pré-acte. Donc, pour l'instant, je m'en fiche. Laisse-moi découvrir. Vous voulez me gâcher le truc. Donc vous me gâchez la surprise. non, mais je rigole. Là, j'ai mon compteur. Et mon hello world, il était où? Il était là. Donc là, je dois pouvoir créer mon compteur. Je réactualise la page. Il est là. Et il ne fonctionne pas. Parce qu'il est généré côté statique. Frontend, c'est ma main, dépend d'un framework. Below, il est devenu.
Donc si je veux avoir un truc, donc si je veux un composant dynamique, il faut que je mette un 2.load. C'est moi qui viens de crasher mon Firefox là. Magnifique. Génial. Stop, 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 stop. Arrête, arrête le carnage. Bon, RIP Firefox. Donc on va enlever le 2.load. T'as sûrement raté un truc sur la doc. Oui, tu sais, mais je connais peu d'outils qui me crachent un navigateur quand même. Je vais pas te mentir. By default, zéro client side, ok. Will use request idle callback to render my Asus main thread is free. Il y a une boucle infinie. Après, attendez, il y a peut-être une boucle infinie au niveau de ce que j'ai fait moi. Et en fait, c'est peut-être moi qui ai fait une connerie. On va rien dire. Officiellement, on répète pas, mais il y a. Voilà. On réactualise la page. Et ça s'incrémente. D'accord. Donc là, on va faire directement un 2.visible. Ça me paraît intéressant. Et on va couper ça et on va faire un yarn run build. On va rebuild notre projet. Et là, on va laisser PHP ouvert. Ok. Donc je réouvre mon projet avec Fifox et je vais dans mon projet. Je sors mon inspecteur. Non, je sors mon inspecteur. Comme ça. Et je regarde. Voilà. Hop. Je réactualise. Enfin, vas-y, montre-moi tout. Ouais, montre-moi tout. Non, montre-moi le JS. Il y a un peu de JS qui est sorti. 414 bytes octets de JS. Ce qui est pas grand-chose. Je scrolle un petit peu. Et là, on a 9 kilos de JS parce qu'on a Preact qui arrive. Et on a notre compteur qui est OK. Dans le code source de la page, qu'est-ce que j'ai? QPage source. Ouais, j'ai un vrai bordel de code en fait. Ouais, mais en fait, j'aimerais bien quand même. Il n'y a pas un bouton pour formater le code correctement là? D'accord, donc là, on a notre composant qui a été rendu ici. Et on a un Astra Root UID. Ok, ça par contre, par rapport à des frameworks plus classiques, c'est super intéressant. C'est ça l'argument de vente. Le mec qui parle de. Ok, donc ça peut être vraiment cool. La question que je me pose maintenant, c'est que si il me pétait l'envie d'aller créer un nouveau fichier qu'on appellerait compteur. Vu. Qu'est-ce qui se passe? Je crée un nouveau fichier compteur vue et je crée un index.vue. Donc là on est parti. Là on va recréer la même chose. La question c'est est-ce que je peux à chaud charger n'importe quel framework de la Terre et que ça marche? Truc qui est horrible. Alors, on va prendre ça. Alors, est-ce que je suis pas trop rouillé en vue? La classe, c'est ça. Là, on va créer un. C'est style, hein, c'est ça. Container. Padding 50. Ok. D'accord. Ensuite, on crée un script. Là, on met setup. On n'est pas obligé de faire setup, non? Oui, c'est ça. Et là, on fait un export default. Setup. Return. Count. Ensuite, on fait un const count égale ref de 0. Et on fait un const incre.
égale une fonction qui fait count.value plus plus. Et on retourne cette fonction là aussi. Donc là on lui dit quand tu cliques @click, je veux que tu appelles incr. Et là, je veux que tu affiches count. C'est comme ça que ça marche, le JS. Et on va mettre un background light gray pour le différencier de l'autre. Ok, donc là, je vais dans mon projet qui est dans layout project. Ce qui me gêne, c'est clairement cette syntaxe-là. Je fais en mode YOLO YOLO counter vue depuis index.vue. Et je le charge de la même manière ici. Je réactualise ma page. Erreur 500. D'accord. Je pense que c'est normal, ils n'ont pas embed de la totalité des frameworks de la Terre, ça me semble un petit peu trop violent. Component render which are enabled by default. Mauvais chemin, mauvais import. Il y a ça aussi, effectivement. Et dans les renderers, est-ce qu'il y a, il y a le renderer de vue, hein? Ouais, non, très bien vu les personnes qui m'ont dit que c'était pas le bon chemin. Vous avez entièrement raison. On réactualise la page. Astro is enabled to render counter view de point visible. Is there a renderer to handle this type of component? Oui. Ouais, il y a un compo. Tout configure Astro. Ouais. Il a l'air de dire que oui. Hein. Ah, est-ce que c'est le setup qui le fait flipper peut-être un petit peu? Is there an event or an investment in Astro config? Alors, on va essayer d'enlever le setup. Je me demande si c'est ça qui lui fait pas vriller en fait. C'est peut-être moi qui ne sais pas écrire de nom, ça n'a pas l'air d'être mieux. Vuex partial support, not you can access Vuex, but full Vuex. Ouais, mais j'utilise pas Vue. J'utilise pas Vuex, donc. À première vue, je vois pas de Le jeu de mots de merde, compteur vue, index.vue. On va peut-être redémarrer le truc là. Alors on va essayer d'enlever, deuxième solution, carrément le point visible. Peut-être c'est le point visible qu'il n'aime pas. Non plus. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce problème-là? Attends, on va retourner dans la config. La config, elle est où? Elle est ici. Et oui, si on ne lit pas, il manque le renderer de vue. Pourquoi tu n'as pas encore ouvert la config? Parce que tu me connais. Tu sais comment je suis. Voilà. Il dit jamais la doc. Non, j'ai lu la doc. Mais ils disent component renderer which are enabled by default. Alors moi, quand je lis ça, je me dis qu'ils sont enabled by default. Je me dis pas ils ont généré une config avec juste preact. Excuse-moi, à un moment donné, c'est pas moi qui fais pas d'effort aussi. Object is not a valid HTML tag. T'as
T'as oublié d'importer ref depuis vue. Ouais, mais bon, l'erreur, elle ne me parle pas. Et là, c'est preact render to string. Aucun sens, rien n'a de sens. Object is not valid. J'ai peut-être été un peu bourrin de lui faire un mélange des deux là. En même temps, j'essaie de lui faire rendre un composant vue à côté d'un composant JSX. Je pense qu'il n'aime pas des masses. Là, ils ont mis deux fois Render React ou c'est moi? Donc là, si je réactualise, ça plante. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je supprime? Celui-là. D'accord. Non, il a l'air de vraiment pas kiffer. Non, en vrai, la hype, bon, mis à part le point astro que je trouve complètement con, le point que je trouve vraiment intéressant, c'est le fait de se dire dans ma page, je peux avoir des composants qui vont être chargés dynamiquement. Et ça, c'est intéressant, et effectivement, je suis d'accord qu'il n'y a aucun framework qui le propose. Maintenant, il y a quand même un gloubi-boulga de trucs qui se build, et c'est pas clair. Teste cet exemple. Si, genre avec Nuxt, non. Nuxt ne génère. Alors, si on reprend l'exemple, je vais te remontrer, parce que c'est pas du tout la même chose pour le coup, pour moi. On va prendre un projet. Un projet, projet, projet. On va enlever notre compteur point vue. Pof. Et là, ça remarche? Ouais, voilà. Si on rebuild ce truc-là, la particularité que je trouve intéressante, c'est que ça build un statique. Donc, c'était où? C'est ça. Là, j'ai un site statique, purement statique, sans réhydratation. C'est-à-dire que dans l'onglet Network, je n'ai pas de JS. Zéro JS. Et j'ai un site qui se charge rapide, rapide, rapide. Je vais sur Portfolio. Pas de JS, je vais sur View Mars là, et là j'ai un petit JS qui est chargé pour détecter quand un élément devient visible, et quand un composant devient visible, paf, il charge le code du composant et je peux le rendre dynamique. Et ça, c'est intéressant. Je dis pas que c'est l'avenir ou que c'est ce truc, mais c'est ce point-là qui fait que ce système-là est particulier par rapport aux autres. C'est pas un énième Nuxt, Next ou ce que tu veux qui vont réhydrater toute la page en full JS. Non, c'est un truc qui va générer un site statique, que tu peux écrire avec des composants React et tout ça qui vont être générés de manière statique. Mais si tu le souhaites, tu peux avoir des composants qui ne vont pas être statiques et qui, eux, vont être réhydratés, soit quand ils sont visibles, soit quand le process principal est différent de idle, soit au chargement de la page. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, le problème. Pour moi, Nuxt, non. Nuxt, en fait, il va réhydrater toute la page. Sauf si j'ai pas suivi les dernières nouveautés, mais Nuxt, Next et compagnie, eux, ils refont une passe. En fait, tu as une première page qui est statique. Tu charges le site, il va charger le JS qui va réhydrater et qui va faire changer ta page par une version JS. C'est ça la réhydratation, en fait. Donc, par défaut, ton site statique est généré pour le référencement et pour aussi que l'utilisateur ait un premier rendu. Donc, tu as le code HTML qui est généré. Ensuite, ça va charger du JavaScript. Le JavaScript va s'exécuter et va remplacer toute ta page par une version HTML identique, mais qui va être contrôlée par le JavaScript. L'inconvénient de l'approche là de Astro, c'est que vu que c'est full JS, quand tu cliques sur une page, tu recharges toute la page.
T'as pas le côté navigation single page application que tu pourrais avoir avec du Nextwater. Donc l'idée de Astro, c'est de se dire non, on repart sur du basique, donc HTML purement statique, et si des composants ont besoin du JS, on charge le JS. Dans l'idée, c'est intéressant, dans l'inconvénient, c'est que si tu as une page qui a 3 ou 4 composants JavaScript, tu vas charger 4 ou 5 JavaScript séparés. Et en plus, pour peu que ces trucs ont besoin de fichiers, pas avec la lazy hydration. Si tu as un lien vers ça, je veux bien, bien regarder, mais à mon avis, c'est pas la même chose. Dans tous les cas, et là, il a généré un sitemap aussi. Copier le lien. Alors, Vue Lazy Hydration, qu'est-ce que c'est? Vue Lazy is a renderless Vue.js component to improve estimated input latency to input time of server-side rendering Vue AJS application. This can be achieved to delay the hydration of pre-rendered HTML. In the example below, you can see the four hydration. Ça a l'air d'être effectivement le même principe. Ouais, mais c'est par-dessus du Nuxt, ça. Ton Nuxt va quand même pré-rendre toute la page. Et avec Nuxt 3 et donc Vue 3, tu n'aurais plus le double payload pour l'HTML statique. Bah, tu es obligé en fait. Je comprends pas pourquoi tu n'aurais pas le double payload. C'est juste qu'il va réhydrater ta page sans charger ce composant et ce composant va recharger un truc. Non, je comprends pas un truc là. Parce que là, l'idée, c'est de ne pas re-rendre. Dehydrate never. T'as un exemple? Ça, c'est avec Nuxt. Ça se charge dans Nuxt. J'ai du mal à voir comment ça se branche avec quelque chose, ce truc-là. Il y a une démo. Ce serait mieux si j'avais une démo. Bon, dans tous les cas, nous, on est là sur Astro. Non, j'étais en mode chouchou de tester plusieurs trucs. Dans le sens que si tu sais, dans le sens que si tu as un rendu purement SSR, t'auras pas ton texte dans l'HTML et ton texte dans le JSON en props. Ouais, mais si ton composant a dedans un composant dynamique, si tu la mets en non hydratation, il va rester statique en fait. Du coup, tu n'auras pas le composant dynamique dans ton composant enfin dans ton composant statique. Tous les enfants du lazy hydrate never ne seront jamais du coup modifiés quoi. En tout cas, voilà, c'est l'idée d'Astro et c'est ça qui est intéressant au premier abord. Et l'autre côté cool, apparemment, c'est que du coup, ils te disent, oui, tu peux charger tous les composants, en fait, tous les langages de la Terre. Le truc, c'est que il me dit que ça, ce n'est pas un valide HTML tag. Ce qui voudrait dire qu'une fois que tu as commencé à utiliser du JSX, il ne veut pas faire autre chose. Peut-être. Je suis en train de me demander ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer toute la partie en tête. Et dans la partie body, on va charger juste notre composant vue. Peut-être c'est tu ne peux pas avoir sur une même page les deux. Nope. Je vous avouerai que là, si vous avez d'autres pistes, toi tu veux que j'essaie cet exemple-là, mais j'ai pas envie de cloner un nouveau truc là. Et dans cet exemple-là, ils utilisent plusieurs technos. Il y a Svelte, Vue et Preact. Retire les imports. Bon, allez, on est parti, hein. On peut télécharger juste cette partie-là. Non, c'est ça. Il faut que je clone tout le dépôt pour récupérer ce dossier-là. Putain, l'enfer, quoi. Attends, je peux pas regarder leur config, là. React, Svelte.
Est-ce que je les ai chargés dans le même ordre que lui? Le gars qui commence à imaginer des trucs qui n'ont pas de sens. J'ai vu des exemples ici JSX vu et dans un fichier .instro. Ouais, ok. Ouais, sur le papier, ça a l'air de marcher, quoi. Comme d'habitude avec Snowpack et compagnie, sur le papier tout marche, mais quand tu l'utilises, dès la troisième seconde, t'as des problèmes, quoi. Non, ça a l'air de péter un câble complet. Ok. Bon, on est parti sur l'exemple. C'est quoi les exemples qu'on a, Snowpack? Si la démo marche pas, je suis désolé, mais la techno, ça part à la poupe, quoi. On installe les dépendances. Et c'est fini. Alors, yarn run dev start. Truc, ça a même pas commencé. Le truc, ça a même pas commencé, que ça a déjà crashé avec une erreur qui ne veut rien dire. En fait, c'est que ça a besoin de tout le bordel, quoi. Suis la doc. Suis la doc. Laquelle? Celle de l'exemple? Getting setup. Invis project. Link astro and install. Non, mais j'ai la flemme. Vraiment, j'ai la flemme. Je veux pas refaire Polytech pour générer des pages HTML. Excuse-moi, mais là, c'est bon. Hop. RMRF. Démo. Ça dégage. Hop. Bon, concrètement, techno, c'est sympa dans l'idée, mais ça marche pas du tout, quoi. Ça marche pas du tout, c'est pas pratique, il n'y a rien qui va. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, c'est export ce défaut. Voilà, bon, dans l'idée, vous avez compris le principe, mais concrètement, je vois pas l'intérêt, quoi. Si tu as besoin de générer une page, tu utilises Jekyll, elle était très bien. Et si tu as besoin de rajouter du JS, tu rajoutes du JS. T'as pas besoin d'un outil de build que tu comprends pas et qui marche pas bien. Bon, bref, allez, hop. On remballe. Non, non, concrètement, faudra attendre, mais je vois pas pourquoi tout le monde retweet en fait, alors que le truc est pas stable, il n'y a rien qui marche, et les gens ils sont là, ouais, regardez le nouveau truc, ça va être la nouvelle manière de build des trucs, je comprends pas, ça me. Voilà, donc si vous voyez Astro passer, ben voilà, vous savez ce que c'est un truc qui fait du JavaScript sans faire trop de JavaScript, qui apparemment est bien, mais qui en vrai marche pas bien, et c'est utilisé un moteur de template propriétaire qui n'a pas de sens. Le prochain outil que je voulais tester, mais on n'aura pas le temps de le tester ce soir, donc un autre soir, c'était Sanity. Sanity qui est un outil que j'entends beaucoup, alors peut-être parce qu'ils arrosent les podcasteurs comme pas possible, mais c'est une sorte de plateforme de service qui permet de gérer des contenus. Donc on a vu comment le faire maison avec Laravel et Twill.io au début, et quelqu'un m'a dit, ouais, c'est vraiment cool. Alors j'adore tester tous ces services-là. Mais et du coup il y a une version gratos avec des quotas généreux. C'est pas vraiment ce que ça veut dire. Et t'as Contentful aussi, ouais. C'est un pote en fait qui les essaie tous. À chaque nouveau projet, il en essaie un nouveau. Et il m'a dit ouais, j'ai. Alors lui il était sur Contentful et il m'a dit ouais maintenant Sanity c'est trop bien et tout, tu devrais essayer Sanity. Donc on va tester Sanity. Mais Contentful, je t'avouerai que je l'ai pas testé non plus. Est-ce qu'on peut tester gratuitement?
Voilà, c'est ça qui est bien avec ces outils-là. Ils sont tous gratuits et après, comme ça, ils te font payer. Mais on testera ça. Donc, c'est un CMS headless. Donc, effectivement, tu gères tes contenus via leur service. Tu es un peu emprisonné après derrière, hein, ce que je n'aime pas. Et après, derrière, tu peux utiliser l'API pour construire ton site. C'est très utilisé pour les gens qui font justement du Nuxt ou du Next, ce genre de choses. Et Adonis. Mais Adonis, on l'a déjà testé. Donc, ce sont des CMS headless. En fait, ce qui est intéressant dans ces tests-là, même si vous finissez pas par les utiliser, c'est de voir un petit peu comment sont conçus l'admin. Tu vois, de voir un peu. Au même titre, effectivement, que Strapi ou Directus. Strapi et Directus, on les avait déjà testés en live. Ils étaient déjà pas mal. Moi, j'ai tendance à préférer Directus et Strapi parce que ben, c'est auto-hébergé. Donc, si jamais demain, tu as besoin de récupérer tes datas, tu n'as pas de problème. Là, du jour au lendemain, ils disent, au fait, maintenant, c'est 200 balles pour le moindre truc, tu es emmerdé. Mais voilà, ça peut être intéressant. Et j'ai. Voilà, pour le coup, je me suis fait un peu avoir par la pub, quoi. J'ai vu la pub à la télé et du coup, je me suis dit, tiens, je testerai bien ça, quoi. Dirais-tu, c'est très sympa, ouais. Mais ils ont fait une grosse refonte en Node.js, du coup c'est un peu plus chiant à héberger, je trouve. Mais c'était le produit intéressant, surtout qu'ils ont un petit lapin qui court quand tu cliques sur des choses, et ça je le trouve génial. Voilà. Ben, ce que je vous propose de faire, c'est de vous envoyer sur un autre stream. Parce que moi je vais aller manger, il est quand même 21h25, et j'ai faim en fait. J'ai super faim. Donc ce qu'on retient de la soirée, c'est que Twill.io, c'est pas mal. Ça peut valoir le coup si vous avez envie de créer une sorte de CMS, mais que vous avez la flemme de tout créer. Il y a quand même des bons building blocks, enfin des bons outils que vous pouvez utiliser. Ça reste, je trouve, assez personnalisable si vous voulez rajouter des éléments dans le menu. Ce qui est dommage, c'est que ce menu, il risque d'être vite bourriné. En fait, il risque de pas y avoir trop. Ah, j'ai pas vu qu'il y a un sous-menu. Ouais, ça risque rapidement d'être rempli. Ça serait bien d'avoir un sous-menu. Et apparemment, il y en a un, donc oui, je dis de la merde. Mais en vrai, ça a l'air plutôt pas mal. Donc cool. Et Astro, je pense qu'encore une fois, c'est la communauté JS qui se méga hype. L'idée est intéressante, mais en soi, avoir un outil de build qui est déjà une grosse boîte noire qu'on comprend pas, je suis pas fan. Mais on va voir comment ça avance. Voilà. Mais pas convaincu. Il y a d'autres trucs qui font ça très bien. Vous avez Hugo, qui est pas mal pour ceux qui aiment bien que ça aille vite, ça build vite. Et après, le plus connu, hein, c'est Jekyll, qui est fait en Ruby. Moi, c'est celui que j'avais utilisé pendant très longtemps. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut avoir Ruby et tout. Donc, c'est pour ça que j'aime bien Hugo, parce que tu as juste à télécharger un point .exe, là, go.exe, et hop, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Voilà. Après eux, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire ton site avec ton framework préféré, mais je vous avouerai que moi, c'est pas forcément un point que je trouve intéressant. Je trouve que React, Vue.js et tout sont sympas pour créer des composants, mais alors pour créer des pages entières, je trouve que c'est pas pratique. Après, c'est qu'un avis perso, et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, et au contraire, c'est bien si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous avez une opinion. Bah du coup, je vous propose de vous renvoyer. Ils ont commencé à quelle heure, ITER? Là, je vais regarder ce qu'il y a aussi. Depuis que je l'ouvre sur Firefox, il y a moins de 30 minutes. Ok, on va sûrement les raider eux. Je regarde juste ce qu'il y a d'autre. Non, mais allez, hop. Donc il y a ITER qui. Donc c'est eux, ils font un podcast tous les vendredis soir, à partir de 21h, du coup, apparemment. Et là, ils ont trouvé un job en sortie de bootcamp. Donc ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que les formations, 3 mois, tout ça, ça vaut le coup. Donc je vous renvoie sur ça. Hop. Donc dites-leur bonjour. Et n'hésitez pas à poser vos questions dessus. Ils vont être tout perturbés. Alors, on va aller. J'essaie de retrouver le tableau de bord là. En même temps, je clique partout comme un hystérique. Je déteste l'interface de Twitch. C'est un enfer. Je ne sais pas qui c'est qui a conçu ça. Je pense qu'il doit s'occuper des enfers en même temps parce que c'est horrible comme interface.
Et je vous souhaite une bonne soirée à tous et bon miam à ceux qui vont manger comme moi. Ciao. Non mais je lance le raid est parti. Tu peux faire. Ah, il y a une commande raid? Ouais, bah attends, je sais pas, il faut que tu m'expliques tout ça. Ciao. Et on est parti.